Oui, d'accord. Donc, tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux participants qui ont pu rejoindre ce webinaire organisé par la Société marocaine d'ORL en collaboration avec les laboratoires BOTU, que je remercie infiniment pour leur engagement et leur implication continue et régulière dans le processus de formation médicale continue. Ce webinaire porte donc sur une question qui est devenue indispensable dans notre pratique quotidienne et qui est l'imagerie de l'oreille. Chers amis, chers confrères, vous savez tous que cette question d'imagerie de l'oreille a bénéficié et a profité pleinement des progrès technologiques récents, de la tomodensitométrie multibarrette et de la résonance magnétique, ce qui a permis donc d'étudier les structures de l'oreille interne et moyenne dans leur fin détail. Nous allons donc essayer à travers ce webinaire de répondre, mais cette question d'imagerie aussi garde et a parfois une mauvaise réputation chez la communauté des radiologues. D'abord parce que l'anatomie est difficile à maîtriser, d'une part, et d'autre part, la pathologie otologique est très riche, ce qui nécessite et ce qui demande des connaissances particulières et une formation de pointe pour une interprétation correcte des images. De leur côté aussi, les cliniciens, les ORL, doivent se familiariser avec cette imagerie qui est devenue nécessaire et indispensable dans la prise en charge thérapeutique et au suivi des patients. Et on va essayer donc à travers ce webinaire d'essayer de répondre à l'attente des praticiens dans ce qui devrait être un véritable partenariat auto-radiologique. Aujourd'hui, nous avons donc la chance d'avoir avec nous donc d'immunoradiologues, des radiologues passionnés, des radiologues hors du commun, que je remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation malgré les conditions difficiles en cette période de pandémie. Chers amis, chers confrères, nos invités n'ont nul besoin d'être présentés de par leur réputation internationale et de par leur expertise dans leur spécialité. Je nomme donc le professeur Francis Veillon, que vous connaissez tous. Le professeur Veillon est chef de service d'imagerie au CHU de Strasbourg. Il était président de la European Society of Head and Neck Radiology, président aussi de CERIOL, donc collège d'imagerie pour la recherche et l'enseignement en otolaryngologie, et auteur de plusieurs livres en imagerie médicale. Il est présent avec nous aussi un autre acteur de la communauté radiologique internationale, le professeur Yann Kasselman, président du département de radiologie et d'imagerie médicale de l'hôpital AZ de Bruges, président de la Société européenne de neuroradiologie au cours de la période 1999 et 2002, et le rédacteur en chef de neuroradiologie depuis 2006, et les auteurs de plusieurs publications. Et sans tarder, donc, je donne la parole au professeur Vian, qui va nous parler donc de la place de l'imagerie médicale dans l'exploration de l'oreille moyenne. À vous la parole, monsieur Vian. Bien, merci. Bien, merci pour ces mots d'introduction. On va voir ensemble, vous m'entendez, donc a priori c'est bon. L'imagerie de l'oreille moyenne. C'est ça. Voilà, imagerie de l'oreille moyenne. L'imagerie de l'oreille moyenne se construit sur des éléments pathologiques que l'on peut résumer à un acronyme MITOT, dans lequel on a les malformations. Attendez, là, j'ai. Voilà, très bien. Les malformations, les inflammations, les traumatismes, l'autospongiose et les tumeurs. Bien, le maître signe là-dedans, c'est la surdité. Ce que l'on va faire ensemble, je vais essayer de vous prendre par la main et on va voir ensemble dans cette oreille moyenne, on va apprendre à regarder le marteau, l'enclume, l'étrier, les fenêtres, dans les différents éléments pathologiques impliqués par les malformations, les inflammations, les traumatismes, l'autospongiose et les tumeurs.
À partir de là, on terminera par la pathologie diffuse, en quelque sorte, les processus occupants de l'oreille moyenne, où on verra essentiellement les cholestéatomes, pseudo-processus, et je vais fermer ça, et les autres tumeurs. Bien, un élément technique, hein, on travaille en basse dose depuis des années. On reste à 140 kV, mais les masses ont baissé au fur et à mesure des utilisations des machines en scanner. Et chez les enfants, on utilise des constantes qui sont beaucoup plus basses. Donc, finalement, on est dans une problématique de dose nettement inférieure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut éviter de passer par le cristallin. On évite de passer par le cristallin, soit en passant au-dessus, soit en passant au-dessous, quand on utilise des scanners. Alors, quand il y a longtemps, on passait par le cristallin, on envoyait 60 milligrays dans la zone cristalline. Et maintenant, passant au-dessus ou en dessous, on divise les doses par 10. Avec le cone beam, on arrive à des doses encore inférieures. L'avantage de certains constructeurs, c'est de revenir vers des statifs inclinables, comme ça l'était il y a quelques années. Après, ils n'ont plus été. Et avec les statifs, par exemple, de Siemens, on peut éviter de passer par le cristallin sans vraiment bouger la tête du patient. Une chose à retenir aussi, quand vous faites de l'imagerie de l'oreille, hein, que ce soit en scanner ou en IRM, c'est au maximum d'essayer, et les ORL, c'est important pour vous, de demander au radiologue de vous faire, dans le plan axial, un plan qui passe par le canal semi-circulaire latéral et qui le déroule complètement. C'est en gros le critère de qualité d'un scanner réussi dans un plan axial correct. Le but est, quand on fait un plan axial correct qui passe par le canal semi-circulaire latéral, c'est à la fois d'avoir le canal latéral et en même temps on aura le canal facial et le plan de la fenêtre ovale. Donc ça, un critère de scanner réussi, c'est ceci. Vous voyez ici le vestibule qui a une forme rectangulaire, l'îlot central et un anneau complet. Et donc les manipulateurs vont passer en sagittal par le canal latéral et aussi moduler leurs orientations de coupe dans la reconstruction en passant par la vue frontale. Le but, c'est d'obtenir ceci. Bien, alors, je vous rappelle, on va décliner ensemble dans les surdités essentiellement, c'est le principal signe. On va partir sur les malformations, les inflammations, les traumatismes notospongioses et les tumeurs en regardant marteau, enclume, étrier, les fenêtres. Alors, si on commence dans la lecture d'un scanner en partant sur une surdité, on est dans l'oreille moyenne. Vous avez ici une vue normale d'un marteau et d'un corps d'enclume, et vous voyez qu'autour de la tête du marteau, vous avez toujours de l'air. Ce qui n'est plus le cas ici sur la zone pathologique qui est à gauche, où vous avez un pont calcifié qui relie la partie antérieure de la tête du marteau à la paroi antérieure de caisse. Bon, c'est la première zone que vous allez commencer à regarder quand vous regardez marteau, enclume, étrier, les fenêtres et l'oreille interne à la fin. Bon, vous voyez en comparant les deux que il y a incontestablement au niveau de la tête du marteau, quand ça occupe environ un tiers de la zone concernée, une vraie possibilité de fixation ossiculaire. Si on passe à la même diapositive, mais que l'on est non plus dans un chapitre malformatif, mais uniquement d'otite chronique, vous voyez que la différence, l'imagerie normale, c'est toujours la même, mais là, vous avez des points de calcification qui se mettent le long de l'enclume et qui rentrent dans le cadre d'une pathologie bien connue qui est la tympanosclérose, qui exprime des calcifications itératives et associées de l'espace périmaléaire ou périossiculaire, en l'occurrence des images de densification autour de la tête du marteau et du corps de l'enclume. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que cette image-là. Si on passe maintenant
à la lecture non plus du marteau mais de l'enclume. Dans une surdité, on est dans l'oreille moyenne. Vous voyez que les images se ressemblent assez. On part d'une reconstruction de la longue apophyse de l'enclume jusqu'à la tête de l'étrier qui nous donne ce qu'on appelle un V ossiculaire. Et vous voyez que soit on fait un V ossiculaire simple en coupe largement inframillimétrique, on est à du 0,3, 0,4 mm, on peut faire moins. Et l'interruption de la longue apophyse, soit sous forme de lyse dans les atteintes inflammatoires, soit sous forme de malformation parce qu'elles ne se sont jamais formées, est assez aisée à voir. Et on peut affiner le processus en faisant des coupes un peu plus épaisses de 3 mm qui nous donneront une vue qui est très prisée des ORL dans la mesure où elle vous donne une semblant de vue en 3D. Donc, c'est une façon d'appréhender les différents types d'absence ou de lyse ossiculaire. Si on reste sur les osselets, on est toujours dans marteau enclume, mais on est à ce moment-là dans un tiroir traumatique. Quand on est dans une pathologie traumatique, vous pouvez avoir un détachement entre marteau et enclume qui va se matérialiser par un espace qui sera trop grand entre la tête du marteau et le corps de l'enclume. Vous avez l'imagerie normale sur votre droite. On peut avoir le même genre d'image entre l'enclume et l'étrier, avec ici la vue normale. Et là, un espace entre une longue apophyse probablement cassée et un étrier restant avec la même image en quelque sorte, en une sorte de 3D. Ceci s'inscrit dans un contexte général de fractures d'oreille moyenne. Et qu'est-ce que sont les fractures d'oreille moyenne? Ce sont des fractures qui viennent en éventail avec différents points d'entrée et qui convergent toutes vers l'oreille moyenne. Alors, on peut en avoir de différents types. On a séparé ces différents types de A à E, mais la convergence vers l'oreille moyenne donne pratiquement toujours le même genre de lésion avec des possibilités d'ébranlement ossiculaire. Si on quitte le marteau et l'enclume et que l'on passe à l'étrier, alors l'étrier, c'est une structure qui permet en quelque sorte de mettre en évidence la qualité de nos machines. Les scanners d'il y a quelques années, les scanners récents, le cone beam. Vous avez ici, si on égrène malformation, inflammation, traumatisme, ben là on est dans la catégorie malformation. Vous voyez qu'ici vous avez un étrier normal. Les branches en général sont séparées par environ 2,5 mm. Et là, vous avez l'aspect en étrier en forme de diapason qui peut donner une surdité de transmission ou une surdité mixte. Et l'analyse de cet étrier est très facile quand on a à l'esprit la forme d'un étrier normal. L'étrier, il peut être déformé dans une anomalie congénitale. Il peut aussi être densifié. C'est très, très fréquent, les densifications de l'étrier, comme sur cette vieille diapo que je tiens à vous montrer. C'était visible il y a de nombreuses années. Ça l'est encore plus maintenant. Vous voyez, quand vous comparez cet étrier-là à celui normal qui est sur votre droite, vous voyez que la densification est beaucoup plus importante sur la diapo de gauche que sur la diapo de droite. Quand on passe à des dépôts calciques beaucoup plus évolués dans les pathologies inflammatoires séquelaires, vous devinez ici un étrier, mais qui ne ressemble plus qu'à l'ombre de ce qu'il était avant, puisqu'il y a beaucoup plus de dépôts calciques au niveau de l'étrier lui-même, avec une platine épaisse, et surtout dans l'environnement des osselets. Et donc, vous avez une sorte de ossification ou de néocalcification des osselets qui obère toute intervention chirurgicale. Vous voyez la différence entre cette zone complètement calcifiée dans une forme inflammatoire séquelaire et celle d'une oreille normale. Vous avez une ventilation tout à fait facile à voir. Donc, quel monde entre cette diapo-là où il ne se passera rien? On peut très difficilement opérer ces oreilles et celle-là qui est normale. Malformation, inflammation sur la zone stapédienne, traumatisme direct sur l'étrier. Vous avez ici une rupture de la branche antérieure et de la branche postérieure par rapport à la platine dont ces branches se sont détachées, contrastant de manière très franche avec ici un étrier tout à fait normal dont les branches ont l'aspect que l'on connaît. La platine, on a vu marteau, on a vu enclume, on a vu les branches de l'étrier. On passe à la platine elle-même.
Alors, la platine, je vous le disais, comme l'étrier, c'est un fantôme pour analyser correctement la qualité de nos machines scanner et bien sûr cone beam. Alors ici, vous avez une platine normale sur un scanner Siemens, un Edge, et les platines normales font 0,3 mm. On est très proche de l'épaisseur d'un étrier sec. Si vous regardez ici le cone beam de la société Newtom, vous voyez qu'on est en résolution spatiale un peu meilleure, mais le seuil est toujours à 0,3 mm. Donc, le monde de la platine, quand on analyse la taille, la densité, entre guillemets, la taille, c'est 0,3 mm. Il y a longtemps, c'était 0,5. Maintenant, on est, depuis des années, dans des valeurs de 0,3. Et ce qu'on dit aux étudiants, c'est qu'à partir de 0,5, ça devient pathologique. En général, quand on mesure, on trouve 0,6, 0,7, 0,8. Ça permet de voir où vous en êtes. Et dans le cahier des charges d'une interprétation d'une oreille moyenne des osselets, il n'y a pas que les branches de l'étrier. La platine fait partie de ce regard systématique que l'on porte sur l'étrier. Alors, c'est important de s'astreindre en permanence à regarder la platine et son environnement. Ici, encore une fois, une platine normale, c'est vraiment essentiel et c'est pour ça que j'insiste sur le regard que vous devez y porter. Alors, quand on parle de platine, tout naturellement, on va vers l'autospongiose. Et l'autospongiose en scanner, en cone beam par voie de conséquence, peut être classée à partir des hypodensités que l'autospongiose présente. Alors, l'hypodensité la plus connue, c'est celle qui est au-dessus d'un millimètre, qui est devant le vestibule et devant la partie antérieure de la platine. Voilà l'autospongiose telle que tous les radiologues du monde se l'imaginent. Alors, évidemment, celle-là, elle est visible sur toutes les machines scanographiques. On avait, il y a quelques années, mis au point une classification qui a été reprise par beaucoup avec un type 0, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4B, qui prend en compte la taille de l'hypodensité. Vous voyez que très proche du vestibule, dans l'angle, je vous le montrerai, vestibulo-platinaire, l'hypodensité est en dessous du millimètre. En 1B, elle est au millimètre, mais pas supérieure. En 2, ce qu'on vient de voir, elle est supérieure au millimètre. En 3, elle est supérieure au millimètre, mais avec un contact avec la périphérie de la lumière labyrinthique. Et en type 4, type 4A, on a une hypodensité focale ou continue. Vous allez voir ce que ça donne. Et en 4B, celle-là en 4A, elle est au contact de la cochlée, du labyrinthe antérieur. Et le 4B, c'est le labyrinthe postérieur. Donc, on tient compte de la taille des hypodensités et de leur localisation. Alors, ce qu'on avait fait il y a quelques années, on l'avait mis dans le livre qui a été publié en 2014 avec Jan Kasselmann, Philippe Mériot, Sophie Kahenrim et Henri Sick. On avait pris plus de 2000 rochers et on avait en quelque sorte répertorié toutes nos autospongioses. Le type 2, le type qu'on a vu tout à l'heure avec l'hypodensité facile à voir, c'est la moitié. Alors, les types 1A, 1B, qui sont les petites hypodensités, il faut des bonnes machines pour les voir, mais on y arrive. Ça fait quand même un cinquième dans cette série des hypodensités. Le type 3, il y en a 1 sur 10, 10%. Le type 4A, 12%. Ça, c'est les hypodensités réparties au niveau de la capsule labyrinthique antérieure. Et les 5B, ce sont les 4B, pardon, ce sont les moins fréquentes. Elles font 5%. Elles touchent à la fois le labyrinthe antérieur et le labyrinthe postérieur. Voici des exemples. Regardez, ici, vous avez la normalité avec un angle vestibulo-platinaire que vous voyez très blanc, très hyperdense, et vous le voyez ici, occupé par une hypodensité. Si vous regardez cette vieille diapositive, mais qui est très pédagogique et très explicite, d'un type 1A, vous avez là une ligne normale, l'angle vestibulo-platinaire. Est-ce que vous voyez une différence entre la ligne du bas et la ligne du haut? Regardez, vous avez une hypodensité ici dans l'angle vestibulo-platinaire qui ne dépasse pas la partie antérieure du vestibule. C'est typique d'une autospongiose, absolument typique d'une autospongiose, comparé avec un côté normal. C'était le même
côté chez le même patient, enfin le côté opposé chez le même patient, vous voyez que l'angle vestibuloplatinaire se voit très bien et il n'y a pas d'hypodensité ici. Si l'on passe au type 1B, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'hypodensité est un peu plus grande, elle dépasse le bord antérieur du vestibule. Celle-là, en général, on arrive à la diagnostiquer assez facilement. Moi, j'ai toujours des internes avec moi qui me servent en quelque sorte de témoin. Et vous en avez ici l'illustration sur ce dessin de Vicky Armsworth. Donc, ces hypodensités ne sont pas trop difficiles à cerner, pas trop difficiles à mettre en évidence, et elles permettent de poser le diagnostic déjà d'autospongiose. Voilà, donc une autre comparée à l'aspect normal à 0,3 mm. Alors, la platine peut s'épaissir. Hein, ici, vous voyez, on est au-delà de 0,5 mm, une hypodensité qui est assez facile à voir. Il faut dire que les atteintes inflammatoires sans les hypodensités antérieures, elles peuvent donner des images souvent assez proches. Alors, le type 2, on en a déjà vu, avec ou non un pic T-calcique. Voilà le dessin d'un type 2, environ la moitié de nos cas. C'est très, très fréquent et c'est probablement celui que vous connaissez, hypodensité en avant du vestibule, facile à diagnostiquer, qui permet de poser un diagnostic assez aisé. Alors, une diapo simplement pour vous montrer les types de surdité dans les types 2, mais on l'a fait aussi pour tous les autres types, le 1 au 4. On est parti là sur le nombre de renseignements cliniques qu'on avait exploitables. Et dans le type 2, on a pris 813 rochers et on avait la moitié de surdité de transmission, un petit peu moins de 30% de surdité mixte, et on avait ce que l'on rencontre dans les types 3 aussi et dans les types 2 et 1. On avait des surdités de perception et donc on peut très bien avoir des surdités de perception que les ORL vont nous donner et nous indiquer en étant de vraies mesurées surdités de perception qui font en général entre moins de 10% et 10% ou éventuellement plus dans les petits stades. Et en fait, ce sont des hypodensités, des surdités qui sont l'expression d'une autospongiose, mais prestapédienne, les types 2. On peut avoir des types 3 qui donnent exactement la même chose. Et alors, vous allez me dire, elle est normale. C'est quand on a une surdité du côté opposé avec 10% de surdité dans ces types 2 du côté contralatéral. Bien, voilà un type 3. Vous voyez qu'il est au contact de la périphérie de la lumière cochléaire. Si on passe maintenant au type 4A focal, il porte bien son nom, le type 4A focal, parce que vous avez ici des petites hypodensités réparties sur la périphérie de la cochlée, alors que là, elles sont continues. Cette forme-là représente un quart des 4A. La précédente représente trois quarts des 4A. Vous voyez, c'est les hypodensités qui sont éparses dans la capsule labyrinthique antérieure. Cette forme-là est un peu moins fréquente. Le type 4B, vous avez des hypodensités sur le labyrinthe postérieur et en même temps sur le labyrinthe antérieur. Alors, le 4A, c'est que le labyrinthe antérieur, avec les focales ou les continues, et le 4B, vous rajoutez les hypodensités en arrière, ça représente 5% des hypodensités. Si on quitte la platine de l'autospongiose et l'environnement de l'autospongiose et qu'on en revient à la platine inflammatoire, on l'avait vu pour le marteau et pour l'enclume, vous voyez que ça n'a rien à voir. Une platine d'autospongiose, vous avez une hypodensité devant et puis vous avez la platine qui n'est pas blanche. Regardez ici, vous avez une hyperdensité de la capsule labyrinthique. Là, vous l'avez aussi, mais là, on a une platine dense et épaisse. Alors ça, ça fait partie de votre cahier des charges quand vous analysez le marteau, l'enclume, l'étrier, la platine et vous égrenez toutes les causes. Alors là, il y a une chose qui n'est pas très compliquée à voir. Quand vous êtes à votre interprétation de la platine, regardez, vous êtes sur la platine et là, elle est convexe avec un étrier monobranche. C'est sûr que c'est plus facile. Une platine normale, elle n'est jamais convexe. Quand elles sont convexes, c'est une malformation. Ça, vous pouvez garder cette image en mémoire. Et si je vous résume en quelque sorte sur cette diapositive platinaire de finalisation, vous avez ici une autospongiose. D'accord ? Ici, vous avez une platine convexe. Là, vous avez une densification de la platine qui est un peu plus nette. Et regardez, si vous avez là
des platines qui sont dans l'axe de la fenêtre ovale, en quelque sorte, regardez la régularité entre la platine et le bord postérieur de la fenêtre ovale. Et là, la même chose hein, sur cette platine un peu plus dense, mais regardez ici, vous avez un angle. La platine paraît être derrière le bord postérieur de la fenêtre ovale. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un traumatisme. Donc, dans ce regard que vous portez, ça peut être un traumatisme très ancien, hein, qui est comme ça. Il faut que vous ayez des images clés, en quelque sorte, qui vont vous permettre, à chaque regard sur les osselets, sur les branches tapédiennes, sur les platines, de vous faire une idée du diagnostic final que vous allez donner. Quand vous quittez marteau, enclume, étrier, platine, vous continuez par les fenêtres. Alors, les fenêtres font partie de votre cahier des charges, de l'analyse de votre scanner. Et quand vous regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? Une fenêtre qui est rétrécie. Regardez ici, vous avez l'autre côté qui est normal. La hauteur d'une fenêtre ovale normale, c'est 1,5 mm. Regardez, ben là, si vous comparez les deux, vous avez une sténose de la fenêtre ovale. Mais là, sur cette sténose, c'est une sténose congénitale. L'environnement est dense autour de cette fenêtre ovale. Alors que là, vous avez, sur ce cas d'un côté gauche, vous avez une hypodensité au-dessus de la fenêtre ovale rétrécie. Ça, c'est l'expression d'une autospongiose. Dans les deux cas, vous avez une sténose. Ici, c'est une sténose malformative. Là, c'est une sténose due à une autospongiose. Vous voyez l'hypodensité. Il n'y a que l'autospongiose pour vous donner ça. Regardez, là, vous allez me dire, ah bon, mais comment je peux faire la différence? Ben, regardez, sur cet environnement normal au contact du canal facial, eh bien, l'hypodensité ici, il n'y en a pas. Hein. C'est blanc. Hein. De la même qu'au contact du canal facial ici, c'était hyper dense. Donc, au début, ça peut vous paraître un peu difficile. Et puis, au fur et à mesure que vous utilisez votre manuel d'interprétation d'une oreille moyenne et d'une oreille interne, dont Yann vous parlera, eh bien, ça vient finalement beaucoup plus vite. La fenêtre ronde, même philosophie. Vous avez ici une fenêtre ronde normale, une fenêtre ronde rétrécie. Même chiffre, 1,3 mm, comme la hauteur de la fenêtre ovale. Regardez, petite fenêtre à partir de 1,3 et puis moins. Et là, regardez, comparez ces deux, normale jusqu'à 1,5, à partir de 1,3, rétrécie. On reste sur la fenêtre ronde, on a quitté la platine et la fenêtre ovale, et on en revient dans les fenêtres rondes. Il n'y a pas que les sténoses congénitales, il y a aussi l'autospongiose qui nous amène à la classification de Bernard Fraisse. Il y a des grades dans les fenêtres rondes, elles sont grade 1, elles sont normales, et dans la classification de Fraisse de Toulouse, vous avez ici une hypodensité sur le versant externe de la fenêtre ronde. Là, vous n'en avez pas. Vous pouvez comparer très bien les deux. Et ça, c'est ce qu'on appelle le type, le grade 2 de Bernard Fraisse. Là, vous avez ici un grade 3, vous avez berge externe, berge interne. Là, il est plus facile à voir, berge externe, berge interne. Le grade 4, ce sont les calcifications à l'intérieur de la lumière labyrinthique. Donc, vous voyez, quand vous interprétez ces scanners, ces cone beams sur l'oreille moyenne au départ, vous suivez le marteau, l'enclume, l'étrier, la platine, la fenêtre ovale, la fenêtre ronde. Et en fonction de vos renseignements cliniques, vous allez vous orienter de mieux en mieux. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore parlé des comblements de l'oreille moyenne dans leur ensemble. Et ce qui nous amène à parler des comblements, on va dire des comblements inflammatoires. On a vu malformation, inflammation, traumatisme, autospongiose pour les éléments séparés qui étaient marteau, enclume, étrier, fenêtre. Et maintenant, on va voir l'oreille moyenne globale. Alors, l'oreille moyenne globale dans la pathologie inflammatoire, vous avez des images en scanner qui sont relativement simples d'interprétation, les images en cadre, les images en bande, les images fines sur concave vers l'avant, moins fine, ça veut dire moins de 5 mm. Tout ça, ce n'est pas très compliqué. C'est de la pathologie inflammatoire. Hein. Alors, ça peut être calcifié ou pas. Là où c'est un peu plus délicat, c'est si vous avez des images concaves vers l'avant supérieures à 5 mm, qui peuvent aller à 10 mm, 15 mm. Ça peut être de la peau, du cholestéatome. Les images diffuses, là, on ne sait pas non plus. Et puis, les images sphériques, quand on est tout en haut, on le verra après, plus on est haut, c'est-à-dire dans l'oreille moyenne,
ou les images pseudosphériques, plus on a de chances que ce soit du cholestéatome, plus on descend, plus les diagnostics différentiels vont monter. Quand on a des images de ce genre, on est dans l'approche complète d'une oreille moyenne. Vous voyez ici, on a des niveaux, on a le mur de la paroi externe de l'épitympan qui est bien. Quand on a ce genre d'image, en fonction de ce que les ORL nous disent, on n'est pas absolument obligé, en fonction de la clinique, de faire une IRM. Alors, ce qui est important, c'est que dans la plupart des pathologies inflammatoires, sauf de rares otites agressives, le mur latéral de l'oreille moyenne est normal, légèrement émoussé, mais il n'est pas complètement coupé. Alors là où il faut faire attention, où certains jeunes étudiants peuvent se tromper, c'est quand on voit le toit de l'oreille, par exemple ici, vous voyez, il y a du toit qui manque, et ils pourraient penser que ça nous emmène vers la présence de cholestéatome. Pas du tout, hein. Il y a plein de pathologies inflammatoires où le toit est ouvert et où il n'y a pas du tout de cholestéatome. Alors autant la paroi latérale, elle va être pratiquement normale ou émoussée dans la pathologie inflammatoire, autant le toit, ça ne veut rien dire, hein. Alors, ce que l'on a vu sur la platine, avec les densifications de la platine, bah, ça peut s'étendre à toute l'oreille moyenne avec des blocs calcifiés qui peuvent remplir l'oreille moyenne, hein. On le devinait tout à l'heure. Et là où le radiologue a vraiment un rôle à jouer, c'est quand ces blocs calcifiés tournent à l'otite ostéomateuse, hein, il y a une métaplasie qui se fait. Et alors, vous devez absolument prévenir les chirurgiens, s'ils veulent s'aventurer là-dedans, qu'ils n'auront plus de repères sur le canal semi-circulaire latéral et que le canal facial, ils auront beaucoup de mal à le repérer. Donc, disons que ce genre d'image, c'est plutôt dissuasif si on a des velléités de faire de la chirurgie d'oreille moyenne. Alors ça, c'est vraiment important de prévenir les collègues chirurgiens quand on a ce genre d'oreille. Et puis, on arrive tout doucement vers l'IRM, IRM de l'oreille moyenne. Alors, on a pris l'habitude d'effectuer des coupes parallèles au plafond orbitaire ou à la fosse crânienne moyenne. Et dans la pathologie inflammatoire, on construit nos IRM sur le T1 axial et la diffusion. On peut utiliser d'autres plans, mais enfin, disons, dans l'habitude qu'on a dans notre fac, c'est de utiliser des plans, sauf cas particulier, le plan axial en T1 et en diffusion. Ça permet de faire des interprétations sur des séquences assez courtes. Alors, le fond, c'est est-ce qu'on a un doute entre inflammation et cholestéatome? Alors, voilà toujours, on s'attache à demander aux manipulateurs s'ils utilisent l'inclinaison habituelle. Vous avez ce qu'on a en scanner, on le retrouve en IRM. Alors, l'inflammation, le T1, il peut être intermédiaire ou hypersignal. La diffusion, on n'a pas de signal, mais parfois, on peut avoir un hypersignal. Il faudra vraiment regarder le T1. Et l'ADC, on va parler simplement en termes d'hypersignal pour nos collègues ORL et parfois d'hyposignal. Donc, vous voyez, donc, en gros, hein, l'inflammation en diffusion, on peut quand même très souvent ne rien voir. Là où ça pose problème, c'est si on voit quelque chose. Hein. Alors, les gens vont avoir des états d'âme. Est-ce que ce n'est pas de la peau? Là, on verra qu'on peut très bien s'en sortir avec le T1. Regardez ce T1. Vous avez ici un comblement de l'antre, de l'épitympan. Voilà, ça, c'est l'image un peu classique. En pas de restriction de diffusion et en ADC, tout est blanc, aussi bien dans l'épitympan que épitympan haut que dans l'antre. Là, il n'y a pas vraiment de grandes difficultés. Alors, vous voyez que si on a vu ici que en IRM, on avait ici un T1 qui était de signal intermédiaire ou plutôt bas, ici, on peut très bien avoir un T1 plus élevé. Là, on aura aussi en ADC une image plutôt de signal élevé. Ce n'est pas très compliqué. Hein, vu comme ça, ce n'est pas toujours aussi simple. Hein. Ça, ce sont des oreilles qu'on va qualifier de plutôt faciles à interpréter par rapport à certaines difficultés qu'on peut avoir. On peut descendre en diffusion autour de 2 mm et en IRM, on est en T1 autour du millimètre. Donc, cette association diffusion T1, c'est vraiment important. Et puis, il y a quelques années, hein, Sophie Rim, hein, qui est ma collaboratrice directe, avait eu l'idée ça a été le premier article, à mesurer les valeurs d'ADC
dans les cholestéatomes, et finalement, ça avait très bien marché. Et dans les inflammations, en plus, ça a été repris dans le monde entier. Et dans les pathologies inflammatoires, hein, on trouve en général des mesures d'ADC, je vous le montre en unité. Disons, on est, alors si on part de 2, on va aller, vous pouvez enlever 0,6, on va aller jusqu'à 1,3, 1,4. Hein. On n'est pas à 1, alors que le cholestéatome, dans ses mesures d'unité à 10-3, il est à 0,5 et à 1 unité. Alors pour les ORL, quand on vous fait des comptes rendus, on vous dit que le cholestéatome a la valeur d'ADC est A, et on va vous dire 0,5 unité, 0,7 unité. C'est comme ça, c'est le moyen le plus simple pour nous faire comprendre. Alors, dans l'inflammation, vous voyez, en général, ce n'est pas très compliqué. Si on passe au cholestéatome, on apprend aux internes à regarder le mur, le contenu, la cavité tympanique, l'interprétation par compartiment, les osselets, on les a vus. On regarde l'oreille interne. Alors, le mur, c'est vraiment important, mur de la tique. Il est très souvent détruit ici, dans les cholestéatomes. Pas toujours, notamment chez l'enfant. Il y a un pourcentage d'enfants où il n'y a absolument rien. Les parois sont absolument intactes. Et on apprend aux internes à s'y retrouver en IRM dans l'épi, le méso, l'épi antérieur, le protympan, le rétro, l'hypotympan. Et on va répondre par compartiment. Et ça donnera une idée assez précise quand on compare avec les résultats chirurgicaux, c'est pas mal. Alors, la TDM peut, dans les cholestéatomes peut être pris en défaut parce qu'on peut avoir des cholestéatomes avec un comblement diffus, des cholestéatomes dans des comblements concaves en avant. Alors là, mais c'est pour ça qu'on est passé dans les surveillances post-opératoires directement à l'IRM et on a laissé tomber, à part les osselets, on a laissé tomber le scanner. Et vous voyez que en préopératoire, où on fait toujours un scanner, plus vous avez des images qui s'approchent de la sphère, demi-sphère, sphère, plus on est en haut, plus on a de chance, c'est ce qui est exprimé dans cette diapo, plus on a de chance que ce soit un cholestéatome. Plus on descend dans l'oreille moyenne, c'est-à-dire vers le méso, l'hypotympan, plus les petites boules pourront correspondre à autre chose. Voilà une diapo de résumé. Vous avez ici une petite image sphérique facile à diagnostiquer, là une poche de rétraction. Là, une image semi-sphérique avec une amputation du mur. L'ORL, en général, nous a bien indiqué. On va lui dire qu'il ne dépasse pas le ligament supérieur du marteau. Ça, c'est déjà un peu plus délicat avec une ostéite de la tête du marteau. Et là, les formes qu'on ne voit pas en IRM, c'est moins de 10%, ce qu'on appelle les formes vides, où il reste la matrice cholestéatomateuse et où l'essentiel de l'épithélium a disparu. Ça ressemble un peu à des cas comme si on les avait opérés, mais on n'y a pas touché. C'est ce qu'on appelle les formes vides. Voilà une forme vide assez typique. Là, en IRM, vous ne voyez rien du tout en préopératoire. C'est pour ça qu'en général, chez les gens qui n'ont pas été encore opérés, quand on commence par une imagerie du cholestéatome en général, cholestéatome, osselet, etc., vaut mieux partir sur un scanner ou un cone beam. Alors, la technique d'IRM, on l'a vu. Moi, je vous donne la mienne, TA axiale, parallèle au canal latéral. Diffusion axiale et coronale, pourquoi on associe les diffusions coronales systématiquement? Parce qu'il y a un petit nombre de cholestéatomes de l'écaille, très au-dessus du rocher, et des cholestéatomes de la pointe de la mastoïde. On pourrait dire que c'est toujours dans le rocher, mais c'est très en bas. On peut rajouter des séquences liquidiennes un peu plus épaisses ou fines quand on a, notamment en post-opératoire, des méningocèles. Alors, en préopératoire, voilà les lignes qu'on peut utiliser, préciser l'extension du cholestéatome, cas douteux, vous voyez les fistules, là, systématiquement, on fait de l'IRM. Les mastoïdites en urgence, on a tendance, et en particulier avec thrombose des sinus veineux, donc les complications, on en fait. Et bien sûr, complications plus neurologiques avec abcès et méningite, là, par définition aussi. Si je vous ai mis TA et diffusion, et donc, pas d'injection, ces séquences sur lesquelles on construit toute notre approche, tout ce qui vient après, c'est dans des circonstances particulières. Les liquides labyrinthiques, on les regarde dans les pathologies à complications. On injecte pour voir la méninge, ça c'est clair, dans les complications avec les labyrinthites, les séquences flaires avec possibilité de labyrinthite dans les complications et flaires cérébrales de la même façon.
la base du cholestéatome que l'on recherche dans les éditions de tous les jours, c'est le T1 diffusion. Les résultats, vous voyez ici tout un florilège de participants à la recherche sur cholestéatome. Bien sûr, j'ai Hubert Defort qui, en 2006 et 2010, a lui le premier dit « maintenant, on arrête d'injecter du gadolinium ». Vous voyez, on est en 2021, ça fait 10 ans, hein, passé. Hein. Bon, les 10 ans, ils ont vite passé. Hein. Donc, cholestéatome, hypoté1, restriction en diffusion. Alors, les ADC, regardez. Alors, en général, c'est autour de 1, 10-3. 0,7, c'est infecté. Et 0,4, c'est les abcès. Donc, voilà un exemple. Hein. Bah, on mesure l'ADC. Alors, en fonction de ce qu'on va trouver, est-ce qu'on trouve 1 ou est-ce qu'on trouve 0,6, 0,7, il sera surinfecté. Ça marche pas mal. Hein. Ça a été pas mal repris. Ici, vous êtes dans le rétro-tympanum. Voilà, on apprend aux internes à se repérer et les mesures d'ADC vont nous aider. Est-ce que dans ce cas-là, vous voyez, celui-là, on a ADC et diffusion. Est-ce qu'on doit injecter ? Bah, je vous ai mis cette diapo pour vous montrer que le Bert Defort, il avait franchement raison. Hein. Il a bien fait. À partir du moment où il nous a tous sensibilisés, on a arrêté d'injecter. Alors, le problème dans la diffusion, et j'ai bientôt fini, c'est que on peut avoir des faux positifs avec des images de restriction. Et vous allez dire, comme un seul homme, que dès que c'est blanc, il y a un cholestéatome. Bah, pas du tout. Hein. Toutes les restrictions en diffusion ne sont pas des cholestéatomes. Alors, si c'est tout blanc en T1, et si c'est en restriction en diffusion, ça, il y a très peu de chances, ça, c'est clair, que ce soit un cholestéatome. Vous avez ici un exemple. Hein. Bon, ça, c'est un exemple ancien. Bah, ici, on n'avait pas, et ça s'est confirmé par la suite avec l'évolution, on n'avait pas de cholestéatome. Là, une de mes premières erreurs, hein, je la garde, cette diapo, parce que je me suis vraiment complètement trompé, c'était il y a longtemps. Hein. Là, je me suis vraiment attaché à lire les T1. Vous voyez ici, vous avez trois images en hypersignal en T1. Elles sont là en scanner. On avait cette image en 1,5T en diffusion et là en 3T. Hein. C'est un moment où on faisait un article sur la 1,5 et la 3T. Il n'y a pas de différence. J'ai complètement loupé, mais c'était il y a très longtemps. Hein. Maintenant, c'est sûr que ça ne m'arriverait plus. J'ai complètement loupé ces trois images. Et le chirurgien, je me souviendrai toujours, c'était un bon copain, il m'a dit « maintenant, stop hein. ». Alors, on a publié un article sur les mesures des T1. Alors, T1 hyper et diffusion à restriction égale pas de cholestéatome. Et ce qu'on a cherché à montrer dans cet article, en quelque sorte, un ratio de signal par rapport au cervelet, c'est d'essayer de trouver une valeur seuil. Et on a trouvé 1,04. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous avez un ratio au niveau du T1, hein, j'entends. Hein. Vous avez ici une image en restriction, vous êtes un ADC à 0,8, et là, bon, on a un rapport à 0,7. Ça, c'était un cholestéatome. Et là, dans ce dossier, on a vraiment phosphoré sur ce dossier. On se dit collé, pas collé, c'était du côté opposé. Et là, le rapport est arrivé à 1,14 et on l'a dicté, pas de cholestéatome, et pour le moment, ça fonctionne. Alors, si je vous montre ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme restriction? Poudre d'os, tissu graisseux, tissu de granulation. Bon, les abcès, je vous l'ai dit, certaines cicatrices fibreuses, du silastique. Tout ça, ça peut vous emmener dans des pièges avec des restrictions en diffusion. Donc, vous voyez, si le message a pu passer, regardez bien vos T1 et faites les rapports par rapport au cervelet. On termine par quelques tumeurs. J'en ai pour 3 minutes et c'est fini, Yann. Les collets primitifs, c'est de l'oreille moyenne normale avec une boule dans le mésotympan, le rétro-tympanum, le protympan, pas vraiment l'épitympan externe ou interne. Ça, c'est des enfants, ils ont un cholestéatome. Les paragangliomes, on fait des côtes gradients rapides. On n'injecte pas. Moi, j'ai continué à injecter dans les paragangliomes. Ici, vous avez un petit paragangliome dans le plexus tympanique. C'est un petit mignon que vous voyez le nom du plexus tympanique. On fait toujours des IRM après les scans. Méningiome, alors ça, faites attention quand vous avez des otites séreuses. Alors ça, c'est un grand classique des ORL. Hein. Les patients viennent pour une otite séreuse, ils mettent des drains, ça ne marche pas. C'est souvent des dames de 50 à 60 années et plus. Et regardez ce qu'il y a en dessous. Hein. Un énorme méningiome qui est rentré dans l'oreille moyenne. Alors je vous passe
méningiomes comme ça, on pourrait faire une demi-heure hein, sur la manière dont les méningiomes rentrent dans l'oreille, mais simplement ayez à l'esprit, otite séreuse derrière, et puis ça rentre soit par le haut, soit par l'avant, mais il faut savoir y penser. Faites attention dans les oreilles moyennes quand vous avez des surdités de transmission. Ici, un exemple de schwannome du 7, il appuie sur l'étrier, surdité de transmission. Vous voyez la différence hein ? Là, vous avez un schwannome. Schwannome du 7 en IRM, je sais que vous connaissez. Puis je passe la main à Yann. Bientôt, les surdités de transmission avec anomalie de l'oreille interne. Alors, c'est basé sur quoi ? Tout le monde connaît les transmissions dues aux déhiscences canalaires, canalaires supérieures. En voilà une. Évidemment, je n'ai pas pris la plus petite. Hein. Canal normal, là, il manque quelque chose, il manque de l'os. Pour vous dire qu'on sait que la platine, c'est de l'oreille interne. C'est vraiment, gardez ça à l'esprit, la platine, c'est de l'oreille interne. Comme tout ça sur cette histo que je dois à mon maître Henri Sic. Alors, ce dont on se rend compte, et ça, on l'a publié en 2019, c'est que vous pouvez très bien avoir des surdités de transmission et des malformations d'oreilles internes. Alors, vous allez me dire, mais comment, ils ont des malformations d'oreilles internes, elles ne sont pas mixtes. Si, souvent, elles sont mixtes. Bien sûr, ça peut être des perceptions, mais vous pouvez avoir d'authentiques transmissions. Ici, vous avez un syndrome de double ampoule, 1 virgule comparé avec ça. Hein, vous voyez celle-là et celle-là, et pourtant, vous avez une transmission. Et ça peut être une mixte. Regardez ici, vous avez un canal postérieur qui est beaucoup trop près du canal latéral. Eh bien, vous avez une transmission. Donc, regardez l'oreille interne quand vous avez une transmission. C'est pour passer la main à Yann. Et quand vous avez un scanner bien fait, vous avez une transmission et vous ne trouvez rien. Mais rien. Ben, quand vous entendez bien avec le chirurgien, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, ben, je parle à l'échelle de mes collègues otologistes français, on ne fait pas de chirurgie. Et enfin, cette diapo qui me fait toujours plaisir, hein, c'est de vous dire qu'on est tellement content tous les jours de travailler avec vous, la mano dans la mano. Hein. N'est-ce pas, Jean hein ? Voilà, je te passe la parole. Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, je ferme mon PowerPoint. Tu m'entends, Jean ? Oui, je vous entends. Ça marche ? Merci donc, pour le surveillant. Pour... Oui. Tu mets le tien ? Assez bien, merci. Donc, merci pour le surveillant pour cet exposé exhaustif sur la pathologie de l'oreille moyenne. Qui va susciter sans doute beaucoup de questions, qu'on va laisser à la fin de la session. Et merci. Sans tarder, je vais donner la parole au historien Castelman pour nous parler de la place de l'imagerie dans le bilan préopératoire et postopératoire dans la chirurgie de l'implantation cochléaire. À vous la parole, M. Castelman. Merci pour l'introduction. Je veux d'abord remercier Leïla Sakali pour l'invitation. Et donc, je vais vous, en effet, parler des implants cochléaires. Alors, si nous regardons les implants cochléaires, ce qui est très important de savoir, c'est qu'on va les utiliser pour les gens qui ont une surdité bilatérale. Ça, c'est très important. Et ça peut être postlingual, la surdité postlinguale chez les adultes ou chez les enfants prélinguales. Mais de plus en plus, on va aussi mettre des implants cochléaires chez des gens qui ont une surdité de perception unilatérale parce qu'ils veulent une restauration de l'audition bilatérale. En tout cas, quand on regarde ces patients, on a les deux groupes congénital et acquis. Et pour les deux, il faut toujours vérifier ce qui se passe au niveau du labyrinthe, au niveau du nerf cochléo-vestibulaire et les voies auditives et le cortex auditif. Les séquences que nous allons utiliser sont affichées ici et c'est important parce qu'on va toujours vérifier si la cochlée est accessible, implantable. Et là, c'est important de voir s'il y a un modiolus, s'il y a du liquide dedans. Et là, on utilise des séquences T2. C'est évident qu'il faut toujours vérifier aussi s'il y a un nerf. Sans nerf, on ne peut pas entendre, on ne peut pas implanter. Donc, on va vérifier ça avec la même séquence. Puis, il faut toujours regarder le tronc cérébral et les voies auditives et le cortex. Dans le tronc, on utilise protodensité T2, mais surtout des multi-échos. Et au niveau du cerveau, c'est le T2. Et puis, il faut exclure la pathologie concomitante qui est faite avec des séquences T1 après GAD.
Voilà ce qu'on va faire. On va toujours d'abord vérifier l'anatomie de l'oreille interne. Et pour les implants, le plus important, c'est de vérifier est-ce que le nerf cochléaire, est-ce qu'il est là? Oui, voilà, la branche qui va dans la cochlée. Est-ce qu'il y a du liquide dans la cochlée, dans la rampe vestibulaire, la rampe tympanique? Et est-ce que le modiole est intact? Chez ce patient, tout est là. Et en même temps, on peut, c'est évident, vérifier le nerf vestibulaire, le ganglion de Scarpa sur le vestibulaire supérieur et facial. On peut tout voir ça sur des images T2. Aujourd'hui, on a des séquences qui sont même plus performantes, qui sont des gradients échos. Avant, ça ne marchait pas parce qu'on avait trop de susceptibilité. Mais aujourd'hui, vous voyez très bien qu'on a tous les détails sur les images qui sont isotropiques 0,5 mm. Ici, on a la branche cochléaire. Regardez en sagittal, ça c'est le nerf facial cochléo-vestibulaire qui va dans le conduit auditif interne. Et ici, on a la cochléaire, la branche cochléaire qui va dans la cochlée. Et vous voyez à tel point, même sur des reconstructions, on ne perd pas de qualité. Mais commençons avec la pathologie. Donc, quand il y a une surdité de perception congénitale chez les enfants, on va d'abord vérifier le labyrinthe. Et là, aujourd'hui, nous utilisons la classification de Snaroglou. C'est une classification génétique. Avant, on utilisait la classification de Jackler qui était basée sur l'arrêt embryologique, mais on a quitté cette classification parce que celle de Snaroglou est plus intéressante et je vais montrer pourquoi. Dans le même temps, on va toujours, avec la même séquence T2, aussi vérifier les nerfs. Mais commençons avec le labyrinthe. La classification de Snaroglou montre trois grands groupes. Il y a le groupe des malformations sévères, les partitions incomplètes et les hypoplasies cochléaires. Les grandes malformations, c'est clair, ici, on n'a pas d'oreille interne, pas du tout. Il n'y a pas de cochlée, il n'y a pas de conduit auditif interne, donc on ne peut pas implanter, c'est clair. Puis, deuxième groupe, c'est une aplasie cochléaire. On n'a pas de cochlée. C'est difficile à implanter, mais il y a quand même une cyste avec du liquide. Donc, on peut mettre l'implant dans ce système vestibulaire, mais on sait déjà d'expérience que ça ne va pas beaucoup apporter pour le patient. Même pour les cavités communes, là, il y a la cochlée et le vestibule qui font une seule cavité. Et là, de nouveau, il y a un nerf qui va dedans, mais de nouveau, les résultats ne sont pas très bon. Mais pour les autres malformations, il n'y a plus de possibilités. Et prenons partition incomplète type 2. Là, on voit la tour de spire basale très bien délinée. Par contre, la tour de spire apicale et deuxième tour de spire sont confluents, donc ils sont un seul cavité. Normalement, il y a les deux, apicale et deuxième tour de spire. Et dans ce cas-là, aussi à l'intérieur de cette cavité, il y a des anormalités. Donc ici, vous avez le côté normal avec le modiole normal et les deux rangs séparées. Ici, il n'y a pas de modiole dans la partie apicale de la cochlée et donc il y a aussi une confluence des deux rampes. Très souvent, il y a aussi un aqueduct vestibulaire élargi chez ces patients-là. Et donc, chez ces patients, c'est possible de mettre des implants dans la tour de spire basale. Aussi, ça peut être pré-enroulé, un implant pré-enroulé qui se met autour de la base du modiole qui existe, pas la partie haute mais en base, et qui se met en contact avec les ganglions spiralés. Donc, c'est faisable de mettre un implant. Par contre, quand on a la partition incomplète type 3, là, vous voyez qu'il n'y a pas de base de la cochlée. Il y a le LCR qui coule dans la cochlée et quelque part en périphérie se trouvent les cellules nerveuses. Pas dans le modiole, il n'y a pas de modiole. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un implant qui est court, parce qu'on ne veut pas qu'il entre dans le conduit, parce que là, on peut stimuler le nerf facial. Et en plus, on veut que les contacts électrodes sont annulaires, parce qu'on ne sait pas où se trouve le nerf. On ne peut pas dire, il va s'enrouler autour du modiole, il va mettre contact. Non, on ne sait pas où. Donc, les électrodes doivent être annulaires. En plus, LCR va pulser dans l'espace cochléaire et ça veut dire quand on fait une cochléostomie, on va avoir une oreille geyser. Et pour ça, il faut faire la cochléostomie très petite et sur la porte électrode, il faut avoir une sorte de bouchon bien fermé, ça qu'il n'y a pas de fuite de LCR après l'implantation. Donc vous voyez, on a un certain type d'information et on va directement lier un type électrode à cette malformation. Et c'est là que cette classification est très forte. Pour les hypoplasies, c'est la même chose.
On peut avoir des cochléés avec seulement la tour de spire basale ou un cochléé qui est tout à fait avec les trois tours, mais qui est plus petit. Ce sont les différents types d'hypoplasie. Et là, c'est clair, on peut les implanter, mais les implants doivent être plus courts parce qu'autrement, ils ne vont pas aller dedans. Donc, la dimension de l'électrode va être plus petite. Donc, très important, cette classification, parce qu'un tel type de malformation va dire qu'on doit utiliser un tel type d'implant cochléaire. En plus, certains types de malformations vont avoir un facial dans une position anormale. Et de nouveau, cette classification va avertir les chirurgiens. Même chose pour les oreilles geysers et le risque d'avoir une fistule du LCR et des méningites et morbidité et mortalité. Ces possibilités sont de nouveau liées à certains types de malformations dans la classification de Senaroglu. Donc, tout le monde est directement averti. Puis, on a aussi le ducte lymphatique élargi que tout le monde connaît. C'est très important et pour les radiologues, très important. On ne peut pas le louper parce que quand c'est bilatéral chez des enfants et on ne les protège pas, ils ont des traumatismes répétitifs, ils vont être sourds avant l'âge de 10 ou 15. Et donc, dans ces cas-là, ils seront des candidats pour un implant cochléaire. Mais quand on les protège, on peut aussi protéger l'audition et on n'a pas besoin d'un implant cochléaire. Mais donc, on ne peut pas les louper. Donc, toujours regarder ça. Et jusqu'au présent, pour toutes ces malformations, j'ai montré que de l'IRM, mais on a aussi le cone beam. Et le cone beam peut quand même montrer des choses qui sont invisibles en IRM. Et je montre ici ce cas-là. C'est un patient qui est né sourd et qui a donc une surdité des deux côtés. Et puis, on a fait l'IRM et le scanner et tout était normal. Donc, le chirurgien, je l'ai dit au chirurgien, tu peux choisir droite à gauche où tu mets l'implant, importe. Puis, il a mis du côté droit et après l'implantation, il y avait un oozing. Un oozing, c'est pas un oreille geyser, c'est simplement quelques fuites, gouttes de périlymphe qui sortent de la fenêtre ronde à côté de l'implant. Et ça, c'est oozing. Normalement, ça s'arrête après un, deux jours, mais ça continuait plus d'une semaine. Et puis, le chirurgien il a dit, voilà, on peut regarder ces images ensemble. Et ce que vous voyez ici, c'est l'aqueduct cochléaire qui va vers le tour de spire basale de la cochlée, la rampe tympanique. Et normalement, on ne peut jamais suivre jusqu'au niveau de la tour de spire basale, jamais. Ni chez les adultes, ni chez les enfants. Mais de l'autre côté, regardez, on peut le suivre et ça s'ouvre dans la rampe tympanique. Et donc, la pulsation et la pression de LCR est transmise dans le périlymphe et c'est comme ça qu'on a un oozing. Et donc, maintenant, on regarde toujours ça chez des candidats pour un implant cochléaire s'il n'y a pas ce aqueduct cochléaire élargi. On voit ça sur des conimes, on ne peut pas voir ça sur des scanners de routine. La résolution ici est de 150 microns, est beaucoup plus haute qu'on a sur des scanners de routine. Donc, vous voyez à tel point le cone beam est devenu important. Mais on ne va pas s'arrêter sur le labyrinthe. Le nerf est très important aussi. Si tu as un labyrinthe tout à fait normal, mais le nerf n'est pas là, donc on ne va pas être capable d'implanter. Et là, il y a deux types. Le type 1, c'est le type où il n'y a pas de nerf cochlio-vestibulaire. Type 2, il y a un nerf, mais il est anormal. Et quand il est anormal, il peut être non divisé. Ça veut dire que le nerf cochlio-vestibulaire ne se divise pas en cochléaire et vestibulaire. Et puis, on peut aussi avoir un nerf où il n'y a que les branches vestibulaire, mais il y a une branche cochléaire qui est hypoplasique ou aplasique. Ça peut être associé à un labyrinthe normal, puis on parle de 1B, 2B ou anormal 1A, 2A. Là, je montre le schéma du premier type. C'est le type 1, il n'y a pas de nerf cochlio-vestibulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans le cognitif interne? Un seul nerf qui est le nerf facial. Donc, et ça peut être associé de nouveau avec un labyrinthe anormal. Normal, 1A, 1B. Et voilà l'exemple. Ici, vous voyez que la cochlée des deux côtés est normale. Du côté gauche, on a le nerf cochléaire, le vestibulaire inférieur. De l'autre côté, le conduit est très mince. Il n'y a pas de nerf dedans au niveau de la cochlée, donc aplasie du nerf 8. Mais quand on regarde dans le plan sagittal, on a le facial cochléaire, vestibulaire supérieur, inférieur du côté gauche. De l'autre côté, un seul nerf dans le conduit et c'est le nerf facial. Donc, ça, c'est important. Regardez aussi que la base de la cochlée
clé du côté normal a une ouverture dans la modiole qui est à plus de 1,7 mm. De l'autre côté, c'est fermé. Il n'y a pas d'ouverture, pas d'entrée pour le nerf cochléaire. Donc, ça dit déjà qu'il y a un problème. Et là aussi, on regarde toujours, pas seulement en IRM, s'il y a un nerf, on regarde aussi sur le cone beam, si cette ouverture à la base de la cochlée du module, à la base de la module est normale. Normalement, plus de 1,7 mm, mais de temps en temps, c'est moins. Ici, trop petit, et là, on peut déjà soupçonner qu'il n'y a probablement pas de nerf qui était le cas. Et quand on n'a pas d'ouverture de tout, donc il n'y a pas d'ouverture, pas de canal pour le nerf cochléaire, c'est certain qu'il n'y a pas de branche cochléaire prise. Et l'absence du nerf peut être bilatérale, et dans ces cas-là, c'est la catastrophe parce qu'on ne peut pas mettre d'implant cochléaire. Et là, la seule solution qui reste, c'est un implant de tronc qui doit être mis dans le tronc cérébral. Autre exemple, maintenant la dysplasie, il y a un nerf cochléo-vestibulaire, mais il est anormal. Donc, il ne va pas se diviser, il reste comme un nerf jusqu'au niveau du labyrinthe. Donc, c'est ce qu'on appelle « undivided nerve ». Et ici, vous avez un exemple, c'est un patient qui a une cavité commune, et là, vous voyez qu'il y a un nerf qui va dedans, ça, c'est le facial qui est attiré vers l'avant, et puis un seul nerf qui ne se divise pas, qui va dans la cavité commune. Ici, vous voyez en sagittal, le nerf commun et le facial. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, il se divise. Dans ce cas-là, on a déjà dit, on peut mettre un implant dedans, il y a un nerf, il y a une cavité, mais normalement, les résultats ne sont pas très satisfaisants. Puis, on peut aussi regarder la branche cochléaire, et la branche cochléaire peut être hypoplasique. Et là, je dois quand même, avant d'y passer, vous avertir que dans ces cas-là, il faut avoir une très haute résolution. Donc, dans ces cas-là, on va d'abord, surtout, si ce sont surtout des enfants, des très jeunes enfants, on va les mettre sous anesthésie, qu'ils ne bougent pas. On va utiliser des systèmes 3 Tesla, les plus performants qu'on a, et on va faire des images très fines pour voir s'il y a un nerf, une branche cochléaire ou non. Et si on a des doutes, on fait directement des coupes parasagittales, pas reconstruites, parce que quand on va les reconstruire, on va perdre de résolution de nouveau. Donc ça, c'est très important. Je vais vous montrer ce qu'on fait quand il y a un doute sur les nerfs, sur les branches cochléaires. Directement, on va faire des coupes sagittales perpendiculaires sur le nerf cochléo-vestibulaire, mais aussi dans le plan coronal, parce que très souvent, ce nerf n'est pas dans le plan axial, il descend un petit peu vers la partie latérale du l'iotiventaire. Donc, on fait des coupes double obliques. Et comme ça, de côté, on a des images qui sont très... Voilà un exemple. Le patient de côté gauche, il a un nerf cochléaire qui est très épais. L'autre côté, il est plus mince. C'est quoi? C'est un défect? C'est un volume partiel ou c'est vrai? Donc, il faut vraiment le vérifier dans le plan sagittal. Et là, vous voyez, de côté normal, le facial et le cochléaire, ils ont toujours même taille. Mais regardez de l'autre côté, il y a une hypoplasie de la branche cochléaire à droite. Et regardez, si on reconstruit les images, on perd la résolution. Regardez la cochléaire, il est assez grand pour l'encore voir. Regardez le vestibulaire inférieur, il est presque disparu. Et quand on a donc des filles de branches cochléaires qui sont très petites, on peut les perdre si on fait seulement des reconstructions. Voilà un exemple. Ici, on a un patient côté droit tout à fait normal, les quatre nerfs, voilà le facial et le cochléo-vestibulaire. Regardez que le cochléo-vestibulaire de l'autre côté est le plus petit. Ça veut déjà dire qu'il y a des fibres qui manquent. Du côté droit, le cochléaire se détache et va dans la cochlée, pas de problème. De l'autre côté, on a voilà, le facial, le vestibulaire commun, mais on ne voit pas le cochléaire. Mais quand vous regardez très bien, il y a une hypodensité là-bas, et là aussi qui va dans la cochlée. Et si on n'avait pas fait les images sagittales et reconstruites, on n'a jamais vu. Et là, on va dire qu'il n'y a pas de fibre, qu'on ne peut pas implanter. Et on a déjà plusieurs cas qui sont rapportés par les chirurgiens qui disent on a dit qu'il n'y a pas de nerf, et après, on met un implant, il y a quand même des réponses. C'est ça, on ne voit pas les petites fibres, et c'est pour ça qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour voir ces petites branches. Voilà un autre exemple, mais il faut, pour vous montrer qu'il faut distinguer ce qui est hypoplasie et ce qui est atrophie. Ça, c'est un patient qui a eu un méningite pneumocoque avec une labyrinthite ossifiante. Regardez, la cochlée est plus là. Et à fur et à mesure, donc, le patient
donc eux maintenant atrophient parce que le nerf n'est plus utilisé. Et regardez la différence. Là, c'est le nerf normal du côté gauche. Ça, c'est le nerf qui est devenu atrophique du côté droit. Donc, on peut voir tout ça aujourd'hui en IRM. Puis, pour finir avec l'aplasie du nerf cochléaire, de la branche cochléaire, là, dans ce patient-là, on a une cochlée des deux côtés qui est tout à fait normale, mais regardez à droite, à gauche, on a la branche cochléaire vestibulaire inférieure, à droite, la branche cochléaire manque, elle n'est plus là. Regardez, faciale, cochléaire, faciale, pas de cochléaire, absence complète, et on ne peut pas implanter. Et regardez, de nouveau, pas de canal pour le nerf cochléaire dans le modiole. Donc, on peut déjà voir en scanner qu'il n'y a probablement pas de nerf, mais il faut toujours vérifier. Donc, en conclusion, pour le nerf et le labyrinthe, les résultats d'un implant cochléaire dépend de la qualité et aussi de l'épaisseur, de la taille du nerf, de structure nerveuse qui va lier le labyrinthe avec les voies auditives et le cortex auditif. Et c'est clair que c'est l'IRM qu'on va utiliser surtout pour regarder au labyrinthe et au nerf. Et c'est très important de l'utiliser, mais n'oubliez pas que le cone beam peut aussi t'aider parce que tu peux voir aussi l'ouverture à la base du module et ça donne déjà une idée s'il y a des problèmes avec le nerf, oui ou non. Puis les voies auditives sont très importantes parce que tu peux avoir un labyrinthe et tu peux avoir un nerf, mais quand il n'y a pas un cortex qui est normal ou tu n'as pas les voies qui sont normaux, on a des problèmes. Et regardez ici, il y a un patient qui est né sourd, il a besoin d'un implant cochléaire, c'est un examen qui est fait à 6 mois, et puis on voit à gauche le cortex auditif tout à fait normal, mais à droite, il n'y a pas le lobus de Heschel qui est normal, il y a un polymicrogyrie au niveau du cortex auditif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre l'implant du côté gauche pour projeter sur le cortex anormal ou est-ce qu'il y a assez de plasticité et ça va quand même projeter du côté gauche? Mais en tout cas, il faut être prudent et dire aux parents, on peut essayer, mais on ne sait pas le résultat. Et avec celui-là, qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là qui a maintenant une pachygyrie des deux côtés? De deux côtés, donc, le cortex est tout à fait anormal. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va trouver un autre cortex pour nous laisser entendre? Donc, ça, c'est difficile et il faut être prudent à ce qu'on promet aux parents dans ces cas-là. Autre exemple, il faut aussi regarder la substance blanche. Ce patient-là, il est sourd des deux côtés, il a besoin d'un implant. On fait l'imagerie préopératoire, on regarde toujours le cerveau et on voit ça. Et donc, vous voyez qu'il y a des taches blanches partout, mais surtout au niveau des lobes temporales. Et si vous avez ça, c'est très souvent une inflammation à cytomégalovirus. Et c'était le cas chez ce patient-là. Le patient a été implanté et tous ces patients avec CMV font très bien. Ce sont des candidats idéaux pour les implants cochléaires. Par contre, celui-là, aussi 6 mois, il a un développement psychomoteur retardé, il ne peut pas lever la tête, il n'est pas bon, vous voyez, les ventricules sont trop larges, il a des taches ici au niveau des ganglions basilaires avec une prise de contraste après Gado. C'était donc le bilan préopératoire pour le planter, mais quand on voit ça, il faut se demander si c'est vraiment la peine, parce que ce patient, il a déjà d'autres problèmes très importants. Il est déçu quelques mois plus tard. Donc, vous voyez, on peut trouver dans le cerveau des signes et des lésions qui disent déjà que probablement le pronostic est si mauvais que ce n'est pas la peine de même commencer. Et donc, c'est important de toujours voir tout ensemble. Puis, chez des enfants plus âgés ou chez les adultes, on peut aussi avoir donc, perception de sourdité, de perception acquis. Et là, c'est clair, post-méningite, post-labyrinthite, c'est le grand groupe, mais on peut aussi avoir des pachyméningites, des surdités après traumatisme, des sidéroses, des autoscléroses qu'on a déjà vu ce soir. Et très important, c'est de détecter ce qui se passe au niveau du labyrinthe. Par exemple, quand on a des labyrinthites virales, dans ces cas-là, il faut toujours injecter. Et c'est l'IRM, c'est seulement l'IRM qui peut montrer. Et ici, vous avez T1. Tout le monde utilise T1 après Gado. Et vous voyez là, c'est une labyrinthe
et la tour de spire basale, il n'y a pas de rehaussement. Le T1, il n'est pas bon. Il n'est pas sensitif pour une prise de contraste. Pourtant, parce que tout le monde l'utilise. Par contre, c'est le même patient, le même moment. Vous voyez en 3D flair, vous voyez la prise de contraste du côté gauche. Regardez le côté droit. Et en black blot, cette nouvelle séquence, black blot Gado, on voit la même chose. C'est aussi sensitif, mais en plus, on a la résolution et vous voyez les deux rampes. Donc, ça sont les nouvelles séquences à utiliser. Et quand on regarde en T2, il y a encore du liquide. Ça veut dire que cette Gado est du liquide. Il n'y a pas de fibrose, il n'y a pas de calcification. C'est de labyrinthite aiguë. Par contre, si ça devient sous-aigu, très souvent, c'est plus viral, mais bactérienne. Et ici, on a un exemple d'une labyrinthite tympanogène. Vous voyez l'inflammation dans l'oreille moyenne qui est passée vers l'oreille interne. Et là, vous voyez, après Gado, une prise de contraste de la cochlée, du vestibule, du conduit auditif interne et même les méninges. Et quand vous voyez en T2, la cochlée a encore du liquide. Donc, il n'y a pas de fibrose, c'est encore aigu. Par contre, dans le vestibule, il y a déjà un faux signal train de se fibrer. Donc, c'est sous. Et c'est ça qu'il faut dépister. Donc, en IRM, deux choses sont seulement visibles en IRM, pas en scanner. C'est pour ça qu'on commence toujours en IRM. Par contre, quand ça devient chronique, et c'est toujours de nouveau bactériel avec des méningocoques et des pneumocoques, là, ça va calcifier. Parce que toujours dans la rampe tympanique. Et ici, vous voyez une calcification, et en IRM, on le voit. Regardez, le reste de la rampe tympanique est aussi fibrosée, mais pas calcifiée. Donc, cette partie est fibrosée, cette partie calcifiée, et en IRM, les deux ont le même signal, un hypointensité, une perte de liquide. Plus haut, on ne voit pas de calcification dans la cochlée, dans la deuxième tour de spire. Par contre, ici, on a du liquide dans la rampe vestibulaire et on a de fibrose dans la rampe tympanique. Donc, de fibrose en deux endroits dans le labyrinthe et un petit peu de calcification aussi, donc sous-aigu et chronique dans le labyrinthe. Et ça, c'est important et c'est clair qu'il faut avoir et le scanner et l'IRM pour distinguer les trois phases aiguë, sous-aigu et calcifié. Voilà l'important. Là, je montre ici un patient qui est arrivé 21 mois, avec pneumocoque, infection, méningite, très très mauvais, arrive dans les soins intensifs pendant 2 semaines en coma, se réveille et n'entend plus rien. Et à ce moment-là, on savait déjà qu'il y avait une infection de pneumocoque. Et directement, on fait un IRM pour voir si on peut faire quelque chose pour la surdité. Et regardez, il y a une hydrocéphalie, c'est clair, après la méningite. Et puis, on voit en T1 qu'il y a une hyperintensité dans la cochlée, donc une labyrinthite hémorragique et une prise de contraste après, donc cuite entre le sang et le labyrinthe. Et on regarde en T2 et au lieu de trouver encore la labyrinthe avec la cochlée avec du liquide, tout est fibrosé, on ne le voit plus, il a disparu. Donc fibrosé, sous-aigu. Et puis le chirurgien demande un scanner parce qu'il veut savoir s'il n'y a pas d'anomalie sur la route vers la cochléostomie. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la calcification totale de la cochlée des deux côtés en 2 semaines et demie. Donc il ne faut pas penser que c'est chronique toujours. Ça peut aller très très vite dans quelques semaines. Là, le chirurgien a directement implanté, il n'a pas attendu l'administration et tous les papiers, il a pu passer parce que ces calcifications sont encore très faibles, il a pu passer les calcifications et mettre un implant. S'il avait attendu l'administration pendant 2 mois, tout était bloqué, calcifié et on n'avait plus de possibilités pour ces enfants. Donc, c'est une urgence quand on a des méningites. Il faut faire vite parce qu'on peut perdre la chance de mettre un implant. Puis, il y a d'autres possibilités. Ici, il y a un paquet méningite. Regardez toute la prise de contraste sur les méninges dans le conduit auditif interne. Très souvent, ça monte même au niveau optique et puis les patients peuvent devenir pas seulement sourds mais aussi aveugles et on appelait ça dans le passé paquiméningite idiopathique. Aujourd'hui, on sait que la plupart de ces patients c'est du IgG4 et ça aussi donc on est patients qui ont une surdité bilatérale et où on peut mettre des implants. Il y a d'autres possibilités, patients avec surdité bilatérale ici qui est opéré pour le néminangioblastome, ça a beaucoup saigné et le sang s'est mis nerf cochléo-vestibulaire. Et comme ça, le nerf ne marchait plus et on a provoqué une atrophie de la branche cochléaire des deux côtés.
Et c'est clair, là, on a des problèmes et on peut aussi, si un implant va marcher sur un nerf atrophique. Donc, d'autres possibilités. Ici, un exemple de autosclérose. Autosclérose peut donner de fibrose dans la cochlée, mais peut aussi donner de calcification. Et là, de nouveau, on a besoin et de scanner ici qui montre les calcifications et aussi de l'hémorragie qui montre ici apical qui a de fibrose. Ici, il y a du liquide dans la deuxième tour de spire. Chez ce patient-là, on a donc mis un implant dans la deuxième tour de spire. On a essayé de mettre un autre dans la partie postérieure de la tour de spire basale. Et d'abord, comme l'os est très fragile en autosclérose, ils ont luxé l'implant sous le conduit auditif interne. Ils l'ont retiré et ont fait un deuxième essai qui ne marchait pas. Et la troisième fois, tout est passé en ordre et les deux implants ont été introduits. Donc, vous voyez à quel point on peut voir d'autres possibilités, pas seulement au niveau de l'oreille interne, mais chez les adultes aussi sur les voies auditives. Voilà un patient qui a une rhombencéphalite, une inflammation qui atteint le lémnisque latéral et qui atteint aussi ici le corps géniculé médial. Donc, sur les voies auditives, le patient était complètement sourd. Il a récupéré un petit peu de l'audition, mais pas beaucoup, et on ne peut rien faire. On ne peut ni implanter, ni mettre un implant du tronc cérébral. Autre exemple, un patient, après un accident de voiture, il a une hémorragie, une contusion sur les collicules inférieurs, les centres essentiels des voies auditives des deux côtés. Après quelques mois, il a de l'hémosidérine à ce niveau-là. Il est complètement sourd et on ne peut rien faire parce qu'on ne peut même pas mettre un implant du tronc cérébral. Donc, c'est important de regarder ce qui se passe avant de décider quoi faire. Donc, c'est clair, je pense qu'on a besoin de l'IRM et du scanner pour voir ce qui se passe au niveau du labyrinthe. Est-ce que c'est fibrose, calcification aiguë? Et il y a des nouvelles séquences qui nous disent s'il y a du labyrinthite qui sont beaucoup mieux que T1. Donc, essayez de les utiliser, 3D flair ou black blot avec du GADO. Et quand on utilise le scanner, le cone beam, il a plus de résolution et moins d'irradiation. Donc, il est préférable par rapport au scanner de routine. Et n'oublie pas que la calcification peut être très vite. Pour finir, deux petits points sur la pathologie concomitante qu'on peut trouver et un mot sur les post-opératoires. Concomitant, oui, quand on est en train de vérifier en préopératoire si on peut implanter, il faut toujours être prudent. Et c'est pour ça que certainement chez les adultes, on injecte pour voir s'il n'y a pas de prise de contraste. Et voilà un patient qui avait une surdité de deux côtés, il avait besoin d'un implant cochléaire. Et regardez, on perd, c'est un vieux dossier, on perd le liquide dans la partie postérieure de la cochlée. Il y a une prise de contraste, c'était un schwannome intralabyrinthaire. C'est clair qu'on ne va pas mettre l'implant de ce côté et on va utiliser l'autre côté. Mais si on n'injecte pas, on peut le louper. Voilà aussi un autre exemple de surdité des deux côtés. Ici, il y a un nodule, oui, et après GADO, il y a une prise de contraste. Donc, on va mettre l'implant de l'autre côté. Un autre exemple, patient avec une malformation et une surdité des deux côtés, c'est un IP1. Et dans ce cas-là, on veut implanter, mais on regarde là, on a une masse sous le tendon de muscle tenseur du tympan. Et en diffusion, c'est un cholestéatome. Donc, il faut d'abord régler ça ou c'est mieux de prendre l'autre côté pour ne pas mettre tout la cochlée et tout en péril si le cholestéatome va attaquer l'oreille interne. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont importantes à savoir avant d'y aller et avant de dire au chirurgien de l'opérer. Un autre exemple, c'est un très jeune patient qui a besoin d'un implant. Il est sourd des deux côtés. Et regardez ce qu'on a du côté droit. On a le nerf facial et là, il y a un autre petit canal. Et en plus, on voit que le canal carotidien, il est trop petit. Et quand on va un petit peu plus loin en haut, sort de ce canal, sort une petite structure. C'est une structure vasculaire qui se met entre les deux branches de l'étrier. Donc, c'est une artère faciale qui va rejoindre la carotide plus loin en passant par le segment tympanique du canal du nerf facial ici. Donc, vous voyez à tel point c'est important de trouver et de voir ça parce que si le chirurgien veut implanter ici, il peut faire son cochléostomie et à ce niveau-là, il y a un vaisseau là sans canal, ça devient très dangereux. Donc, c'est important de voir ça. Et de nouveau, c'est du cone beam qui est capable de voir ça tout en détail. En plus, c'est toujours
sage de faire et l'IRM et le scanner. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, comme ici, c'était un candidat pour des implants cochléaires, on peut dire, OK, il y a du liquide dans la cochlée, il y a un modiole, il y a un rang tympanique et vestibulaire, il y a une branche cochléaire des deux côtés. Donc, chirurgien, allez-y, c'est votre choix. Oui, c'est vrai, mais on peut éviter les problèmes. Parce que si on n'avait pas fait le scanner, le chirurgien n'avait pas su qu'ici, il y a une protrusion du jugulaire, là où il doit faire son cochléostomie. Et en plus, où est-ce qu'il va mettre son aimant? Est-ce qu'il va mettre ça ici, où il y a une latéralisation du sinus sigmoïdien? Tout est difficile. Par contre, de l'autre côté, pas de problème du tout, il peut implanter et mettre tout ça à l'aise. Donc, c'est important quand même de regarder l'os qui n'est pas visible en IRM. Puis pour finir, post-opératoire. En post-opératoire, une fois que l'implant cochléaire est mis et il y a des problèmes, on va toujours commencer avec un cliché de routine classique, Stenverse. Si il y a des problèmes qui restent ou quelque chose qu'on comprend pas, on peut aller plus loin avec le cone beam CT. Pourquoi le cone beam? Parce que le cone beam a une radiation, et ce sont surtout des enfants, a une radiation inférieure et en plus, il n'y a pas d'artefact métallique. Donc, c'est pour ça qu'on les utilise. Regardez ici, c'est un Stenverse. On voit tout l'implant, l'électronique, l'aimant. Et là, vous voyez aussi les électrodes bien déroulées. Donc, pas de problème visible sur ces images. Et quand on regarde sur le cone beam, on peut même compter tous les électrodes et on peut même dire dans quelle rampe ça se trouve. Regardez ici les électrodes dans la rampe tympanique. La rampe vestibulaire est libre. Et c'est ça qu'on veut. Les chirurgiens veulent que l'électrode se trouve dans la rampe tympanique et pas dans la rampe vestibulaire pour pas endommager l'organe de Corti et les fibres des ganglions spiralés. OK, mais ça, c'est la position idéale, mais de temps en temps, il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, on va surtout utiliser aujourd'hui le cone beam pour voir ce qui se passe. Et voilà un exemple, c'est un patient où on a essayé de mettre un implant dans la cochlée, et vous voyez, ils n'ont pas réussi. Il y a quelques électrodes qui sont là dans la tour de spire basale, mais le reste dans l'oreille moyenne. Chez ce patient, ils disent maintenant, OK, on le laisse là et on va regarder si on peut mettre un implant de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous voyez là, chez ce patient-là, on n'a pas d'artefact métallique. On peut évaluer l'autre côté très bien avec l'implant de l'autre côté en place. Et là, vous voyez la tour de spire basale, il y a une calcification dans la rampe tympanique qu'on voit là, très proche de la fenêtre ronde. Donc là, il y a de nouveau un problème. Et on a même regardé et reconstruit les images du côté où il y avait un problème pour voir pourquoi ils n'ont pas pu entrer avec l'implant. Ils n'avaient pas un scanner pré-opératoire et là, ils ont loupé que là aussi, il y a une calcification dans la rampe tympanique et c'est donc la rampe est trop mince. Ils ne peuvent pas passer par l'implant, c'est bloqué et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu introduire. De l'autre côté, ils vont maintenant avoir le même problème. Il y a deux solutions, faire la cochléostomie plus antérieure dans la rampe tympanique ou mettre simplement l'implant dans la rampe vestibulaire. Donc, vous voyez à tel point on peut tout voir. Et ici, un exemple d'un patient qui a été implanté. Le chirurgien, il est convaincu que tout a bien passé et que tout est dans la rampe tympanique. Et là, vous voyez, dans la deuxième tour de spire et la tour de spire basale, tout est dans la rampe vestibulaire. Et ça se passe dans les séries internationales, dans 15% à 20% des patients. C'est donc très difficile pour le chirurgien de vraiment toujours savoir dans quelle rampe il a mis les implants. Et quand on a des doutes où se trouvent les implants, on a maintenant des logiciels et des possibilités pour vraiment vérifier. Et là, on utilise le cone beam CT préopératoire et postopératoire. Vous voyez, même en cone beam CT postopératoire, on a quand même des artefacts dans l'os. Mais on peut sortir l'implant du postopératoire et le mettre en matching sur le préopératoire et comme ça, on n'a plus d'artefacts. C'est ce qu'on a fait ici. On a sorti l'implant, on a fait du matching des deux scanners et on utilise le scanner préopératoire avec l'implant postopératoire. Et comme ça, vous voyez directement qu'il est complètement dans la rampe vestibulaire et pas dans la rampe tympanique. Et en plus, on peut mettre là-dessus, si on a accès à une IRM préopératoire, on peut mettre l'IRM
aussi là-dessus, et l'IRM peut toujours montrer la différence et la séparation entre les deux rampes, et là vous voyez très bien que l'implant est dans la rampe vestibulaire et pas dans la rampe tympanique, et c'est ça qu'on fait avec un logiciel où on met et l'IRM, les deux scanners, utilise dont on a besoin, on a une image finale, et on fait donc le matching très très en détail, c'est de 150 microns ici en IRM, en préopératoire, en postopératoire. Vous voyez, le matching est parfait. Et puis, on fait un film pour le chirurgien qui montre ici qu'il est entré chez ce patient très bien dans la rampe tympanique. Mais une fois qu'il est monté, là, antérieur, voilà, il passe dans la rampe vestibulaire, dans la partie antérieure. Donc, c'est ce qu'on appelle un scalar step. Il passe d'une rampe à l'autre. Et vous voyez à quel point on peut le démontrer. Et on donne aujourd'hui plus des images au chirurgien. On lui envoie un film avec les résultats. Autre possibilité, c'est un tip fold over. On met l'implant dans la cochlée et ça bloque et l'implant retourne. Vous voyez, l'implant en inverse n'est pas déroulé. On veut voir ce qui se passe vraiment en conbimcité. Et là, vous voyez très bien, l'implant va dedans, il va ressortir parce qu'il est bloqué. Là, il ne peut pas passer. Donc, c'est ça ce qu'on a. Entre et revient en arrière vers la fenêtre. Aussi dans le plan coronal, vous voyez, on entre avec l'implant, ça bloque, et il retourne en arrière au lieu de faire les trois tours. Et ça, c'est un tip fold-over. Donc, la valeur du bon BIMCT est très, très importante. On peut voir, en tout cas, la position de l'implant cochléaire très bien en cone beam, en détail, et en plus, on peut voir des malformations très détaillées en cone beam qui ne sont pas visibles en scanner de routine ou en IRM. Pourquoi c'est important? C'est important parce que de vérifier, parce que de temps en temps, il y a des accidents qui se passent, surtout quand on n'a pas vérifié en préopératoire. Et si on a un patient qui arrive, on doit vérifier parce que l'implant ne marche pas. Et vous voyez là que l'implant est mis dans le vestibule. Comment est-ce possible? C'est parce qu'on entre toujours dans la rampe tympanique, proche de la fenêtre ronde, mais là, dans la rampe tympanique, on n'a pas de connexion avec le vestibule, pas du tout. Mais quand on fait un scalar step, quand on va perforer, on va arriver dans la rampe vestibulaire, et là, le périlymphe est en continuité. Et quand on pousse, on va dérouler l'implant dans le vestibule, ce qui s'est passé chez ce patient-là, et donc c'est clair que les résultats vont être bons. Autre exemple où ça peut complètement être un échec, un implant qui a été mis dans la trompe de Stache au lieu de la cochlée et qui pend avec les électrodes dans le nasopharynx, et un autre où le chirurgien n'a jamais fait un scanner pour voir la cochlée. Il a mis un implant, mais il n'y a pas d'oreille interne. C'est une aplasie. Et donc, il a mis l'implant entre l'oreille interne et la lobe temporale. Et un autre exemple, là, il a fait un préopératoire, mais il n'a pas reconnu où se trouve le tour de spire basale de la cochlée parce que tout était comblé. Et il est entré dans le canal carotidien. Et là, vous voyez l'implant dans le canal carotidien et sur l'angiographie en face et en profil. Et il a eu beaucoup de chance qu'il n'a pas perforé la paroi de l'artère, mais qu'il a glissé entre l'artère et la paroi osseuse du canal. Pour finir, il faut aussi prendre des précautions quand on a mis un implant et on doit faire un autre IRM. Pas nécessairement pour voir les oreilles, mais aujourd'hui, c'est presque certain que tout le monde va un jour avoir un IRM pour genou, pour la colonne lombaire, quoi que ce soit. Et donc là, il faut savoir que pas tous les implants sont compatibles avec l'IRM, surtout en 3T. Heureusement, de plus en plus sont maintenant disponibles, mais la plupart installés aujourd'hui n'est pas compatible, et même en 1.5, il faut comprimer l'aimant qui est sous-cutané, parce qu'autrement, on va avoir des problèmes. Les problèmes sont dus à le champ magnétique qui va attirer l'aimant qui est sous la peau. Puis, on peut avoir des artefacts métalliques, et puis on peut aussi avoir une démagnétisation de l'aimant. Voilà ce qu'il faut faire, même en 1.5, il faut bien bander la tête, parce que comme ça, on va laisser l'aimant dans sa pochette. Et si vous voyez, on n'a pas bien fait, et voilà la luxation de l'aimant, et ça veut dire qu'il faut intervenir, qu'il faut couper la peau et mettre ça de nouveau en place dans la pochette. Et donc, pour éviter ça, il faut bien comprimer cette région de l'aimant. Et vous voyez ici, ça sont les images originaux d'un cône BIMCT qui est idéal pour voir ces luxations.
Puis aussi la démagnétisation est importante. Il ne faut pas oublier que quand on a des aimants qui ne sont pas compatibles et on met en 3T les aimants dedans, que ça va démagnétiser très 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 vite, hein, beaucoup plus qu'en 1.5. Et pour éviter ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est donc d'angler la tête contralatéral aux côtés de l'implant quand on entre le patient dans l'aimant, parce que c'est là que ça se passe. Pas pendant l'examen, c'est quand on entre et qu'on sort de l'aimant. Et quand on fait l'inverse, qu'on n'a pas bien compris, c'est encore pire. Là, on va perdre beaucoup plus de magnétisation. Puis les artefacts. Les artefacts peuvent empêcher de voir tout ce qui se passe dans la tête. Et quand on enlève, il y a beaucoup moins. Ça, vous voyez ici, c'est le même patient. Malheureusement, c'est une intervention et on ne peut pas répéter ça tout le temps. Autre chose qui est embêtant, c'est quand on utilise les séquences qui ne sont pas bonnes, on n'a rien qui est visible. Par contre, ça c'est avec les gradients écho. Quand on utilise des turbospin écho, c'est mieux. C'est le même patient. Regardez, on voit déjà les schwannomes des deux côtés. Et quand on utilise des spin écho, on les voit aussi et il n'y a plus d'artefacts. Donc vous voyez, c'est aussi choisir la bonne séquence. Et en plus, ce qui est aussi très important, c'est de changer le plan. Quand on a des problèmes, ça c'est un patient avec un implant, un jeune enfant qu'il faut suivre pour une tumeur dans le cerveau. En axial, on peut à peine le voir. Par contre, en coronal, pas de problème du tout, on a la ligne médiane. Et puis, il y a aussi de nouveaux logiciels qui nous aident à éliminer les artefacts métalliques. Donc, c'est important de le faire comme il faut. Et comme ça, on peut voir quand même l'oreille interne et surtout la fosse postérieure. En conclusion, je pense en préopératoire que c'est important de faire de l'imagerie avant d'y aller pour un implant. L'IRM est crucial, mais très souvent, et surtout chez des enfants, je pense qu'il faut aussi faire du cone beam, et certainement quand il y a une labyrinthite méningite. Donc, pour le labyrinthe, on utilise toujours les deux. Pour le nerf 8, on peut utiliser l'IRM, mais on va toujours évaluer les deux ensemble. Et pour les voies auditives, là, c'est clair, c'est seulement l'IRM. Pour le post-op, il faut toujours, quand il y a des problèmes, il faut toujours vérifier l'implant cochléaire. Aussi, quand le chirurgien a eu des problèmes pendant la chirurgie, on peut le vérifier. Et là, c'est le cone beam. Et très important aussi, il faut connaître les dangers et les problèmes qu'on peut avoir quand on demande un examen, même si ce n'est pas un examen de l'oreille, un examen IRM chez quelqu'un qui a un implant cochléaire. Il faut être prudent et il faut avertir le patient et le radiologue qu'il y a un implant. Je vous remercie. Donc, merci, professeur Castelman, pour cet exposé qui a fait le tour d'horizon de la place du couple scanner IRM dans la chirurgie de l'implant cochléaire, que ce soit en préopératoire ou bien en postopératoire. Alors, j'ai beaucoup de questions, un certain nombre de questions que j'ai essayé de faire et j'ai essayé de faire une synthèse. Et je vais commencer par la première question. Une confrère demande donc, est-ce qu'une hypodensité focale isolée sur le mya acoustique interne sans hypodensité sur la région platinaire peut être considérée comme étant une autospongiose? Je pense que c'est une question dédiée au professeur Veillon qui a présenté donc la radiologie de l'autospongiose. S'il est encore avec nous. Bien, vous, oui, bien sûr que vous m'entendez? Oui. Alors, votre question, c'est quand on voit une hypodensité localisée au niveau de la capsule labyrinthique antérieure, hein? Alors, si c'est une hypodensité qui est loin de la partie antérieure de la platine, qui a des contours très nets, en général, c'est de la moelle hématopoïétique. Ça se voit beaucoup chez les enfants, mais il peut en rester chez l'adulte. Les hypodensités d'autospongiose, on peut en avoir des formes focales, une ou deux. Le problème qui se pose le plus, c'est quand on est à quelques millimètres devant le bord antérieur de la platine. Ça, c'est focal. C'est loin de l'angle entre vestibule et platine et c'est de la moelle hématopoïétique. Si vous avez une ou deux hypodensités juste dans la couche moyenne qui est devant le bord antérieur de la cochlée ou même sur la face interne, alors là, il y a toutes les chances que ce soit de l'autospongiose qu'on trouve comme ça sans que la platine soit impliquée. Francis, le problème qui se pose, c'est quand… quand on a des gens qui ont une hypodensité qui peut paraître un peu éloignée de la fenêtre ovale, et la plupart du temps, c'est un piège, c'est de la moelle hématopoïétique.
Francis, je pense que la question probablement fait référence à les hypodensités qu'on voit antérieures du conduit auditif interne. Ah, ça, mais ça, c'est... Je pense que ça, c'est... Si c'est devant le conduit auditif interne, alors ça dépend. Ça peut être une hypodensité tout à fait localisée liée à de l'autospongiose. Ça, c'est vrai, mais en général, il y a d'autres signes d'autospongiose. Et la plupart du temps, les hypodensités qui se trouvent devant le conduit auditif interne, elles sont associées à d'autres hypodensités d'autospongiose. Si c'est tout seul, c'est du cartilage. Si c'est tout seul, vraiment à cet endroit-là, avec des contours assez nets, c'est du cartilage. C'est un des seuls endroits avec la fissula antéphénestrame où il y a du cartilage. En général, les hypodensités devant le conduit auditif interne sont des hypodensités d'autospongiose sur de la zone cartilagineuse initiale associée à d'autres hypodensités d'autospongiose. C'est pas un diagnostic sur le moment très difficile. Ça peut poser vraiment des problèmes. Par exemple, quand on veut poser des implants cochléaires dans l'autospongiose, parce que c'est très mou et vous pouvez atterrir dans le conduit auditif interne avec votre sonde d'implantation. D'accord. Une deuxième question qui concerne la surveillance de cholestéate opérée, c'est-à-dire la place du scanner. Est-ce que le scanner garde toujours sa place ou bien passe directement à l'IRM? Alors, pour ce qui est de la surveillance des cholestéatomes, si la seule question c'est est-ce qu'il y a un résidu ou une repousse de cholestéatomes, c'est l'IRM, hein, ça c'est clair. Hein. Une IRM, alors chacun fait avec sa recette de cuisine, mais l'IRM, la plupart du temps non injecté, la plupart du temps c'est pas injecté, c'est fait en un quart d'heure et moi, je suis inondé de demandes de surveillance en IRM parce que ça marche très bien. Et franchement, le scanner, il n'y a pas d'indication de scanner. En revanche, si vous parlez de montage ossiculaire, de prothèse, et que il y a une surdité mixte ou de transmission qui est apparue alors que ça marchait plutôt pas mal, là, ce n'est pas l'IRM, hein, mais là, on ne parle plus de la même chose. C'est pas le on peut associer, rechercher un cholestéatome, mais... Le problème, c'est de savoir comment se positionne la prothèse que le chirurgien a mis. Ça, c'est sûr que c'est du scanner ou du cone beam. C'est d'ailleurs un peu mieux le cone beam, comme l'a très bien dit Yann. Pour la surveillance des cholestéatomes, si on cherche à savoir s'il y a du cholestéatome ou pas, c'est l'IRM. Ça, c'est clair. Et quand on a un doute, parce que l'IRM, c'est quand même pas toujours, toujours facile, on attend dans les petites formations, si on ne sait pas, on attend 3 mois et on la refait en accord avec l'ORL. Mais vraiment, la réponse, c'est IRM, hein, point barre. Ouais. Bah, j'ai une autre question, cette fois-ci donc sémiologique, si on veut dire. Sur une coupe axiale, comment peut-on faire la différence entre la deuxième portion du nerf facial et le muscle du marteau? Votre question, comment on fait la différence entre... Le nerf facial et puis. La deuxième portion de nerf facial et le muscle tenseur du marteau sur une coupe axiale. C'est le muscle tenseur. Déjà, si vous vous mettez dans le plan du canal semi-circulaire latéral, en général, vous avez le canal facial dans toute sa globalité au niveau tympanique. Hein. Vous savez, vous avez vu sur une de mes diapositives, le canal facial tympanique, il est oblique du haut vers le bas et de l'avant vers l'arrière. Alors, le problème peut se poser quand on n'est pas vraiment dans des plans canalaires du canal semi-circulaire latéral. En général, si vous travaillez dans ce plan-là, le canal du muscle tenseur du tympan, il est juste en dessous. Et puis, de toute façon, comme vous travaillez, si vous avez le moindre problème, ce qui peut être le cas, vous avez les coupes coronales qui vous aident. Hein. Mais en coupe axiale, il faut déjà que vous passiez par les bons plans, c'est-à-dire un plan oblique avant-arrière, haut-bas, qui passe par le canal semi-circulaire latéral, vous voyez que le canal facial tympanique, il est quand même très oblique vers le bas et l'arrière. Hein. Bah, toujours dans le même ordre d'idée, donc des fois on reçoit des plaques de nos correspondants radiologiques qui sont souvent inadéquates et qui ne répondent pas à nos attentes en tant que praticien. Alors, dans ce cas,
Alors, ce qu'il faut que vous fassiez déjà, c'est que vous leur demandiez à ceux à qui vous les adressez qui vous utilisent le plan du canal semi-circulaire latéral. Ça, c'est une chose. Ensuite, ils doivent toujours vous donner les coupes de base. Moi, je le fais toujours, à partir desquelles ils ont effectué leur reconstruction axiale, coronale, oblique, etc. Si ils vous les mettent, ce qui doit être le cas, ils doivent vous mettre les coupes à partir desquelles ils ont construit leur examen. Et si vous avez ça et que vous avez un doute, bah vous mettez le disque qu'ils vous ont donné ou les coupes que vous avez reçues. Et à partir de ces coupes-là de base, vous pouvez reconstruire les images vous-même. Alors, par exemple, ça dépend, avec des logiciels très simples hein, de reconstruction de MPR, 2D, 3D. Moi, j'en ai gratuit sur mon Mac, mais ce n'est pas parce que c'est un Mac. Hein, vous pouvez très facilement faire ça vous-même, hein, sous couvert que vous ayez eu le disque, hein, parce que pour le moment, on n'est pas encore dans des réseaux où l'imagerie circule partout, où on a les images de chacun, etc. L'idéal dans le monde encore dans lequel on vit quotidien, c'est que vous ayez un disque. Sur le disque, ils vous mettent les coupes natives. Et à ce moment-là, vous reconstruisez vous-même. Ça ne prend vraiment pas longtemps. Hein. La charge d'un disque, c'est très vite fait. Hein. D'accord. Bah, je voudrais juste revenir sur la question d'otite séromiqueuse que vous avez soulevée. C'est juste pour dire qu'une otite séreuse avec les liquides derrière le tympan sans aucune explication rhinologique doit faire l'objet d'un scanner des rochers. Est-ce que vous en pensez ça? Ah bah oui, c'est-à-dire, là je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire une otite séreuse chez l'adulte, hein, je pense que vous parlez de l'adulte, une otite séreuse de l'adulte qui dure, du genre adulte qui vous dit qu'il n'a jamais eu d'otite et qu'il a... il a maintenant une otite et vous voyez qu'il a une otite séreuse. Le diagnostic de, moi je dirais, oui, faire au moins un scanner du trajet tubaire. Et dans ces cas-là, si par exemple moi je vois des otites séreuses comme ça dans un examen où je dis tiens, il a une otite séreuse d'un côté, j'ai toujours tendance, pendant que je fais mon scanner, enfin surtout le scanner, à ce moment-là, je demande au manipulateur de rajouter des coupes sur le trajet tubaire. Parce que après, s'il y a une pathologie tumorale sous-jacente, de toute façon, on fera une IRM derrière. Mais le premier filtre, je suis tout à fait d'accord avec vous, le premier filtre, c'est de jamais laisser rentrer les adultes qui ont une otite séreuse sans qu'elle soit vraiment étiquetée. Parce que de dire que c'est un dysfonctionnement musculaire, en général, les petits dysfonctionnements musculaires, ils n'ont pas d'otite séreuse. Hein. Il faut se méfier, après chercher tout le florilège du nasopharynx, de toutes les pathologies qui peuvent se trouver le long du trajet tubaire. Il faut systématiquement, je suis entièrement d'accord avec vous, vérifier le trajet tubaire au scanner. Et si on a le moindre doute, on rajoute une IRM. Depuis très 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 longtemps. Bah, moi, je voudrais parler en dehors des trajets tubaires, de ce risque de méningiome en plaque qui peut cacher. Les méningiomes, dans la collection de méningiomes que j'ai, parce qu'il n'y a pas que les méningiomes. Hein. Dans le cas des otites séreuses, il m'est arrivé d'avoir des carcinomes de glandes salivaires mineures, des carcinomes du nasopharynx, des chondrosarcomes de l'articulation temporomandibulaire, bien sûr des méningiomes, notamment chez la femme, 50, 60 ans, le cas que je vous ai montré, j'en ai, je crois, je dois en avoir une vingtaine comme ça. Le cas classique, c'est otite séreuse, l'ORL met un aérateur transtympanique, hein, un grommet, comme on dit en anglais, et les anglais, et cet aérateur transtympanique, ça ne marche pas. Et en fait, alors si le radiologue fait uniquement un scanner très centré oreille, sans regarder un peu ce qu'il y a autour, il peut le rater, le méningiome. Et si il regarde juste ce qu'il a fait avec les deux rochers, il verra qu'il y a un méningiome qui peut être sur l'apex pétreux, dans la fosse crânienne postérieure et qui rentre dans l'oreille moyenne. Et en général, on fait une IRM derrière. Ce qu'il faut juste que les radiologues sachent, c'est que si on suspecte, enfin dans le cadre d'une otite séreuse
qui ne fait pas sa preuve étiologique, il faut bien regarder la base du crâne globalement. Donc, pas trop centré sur l'os temporal et regarder autour, au-dessus et en dessous du rocher. Là, on est entièrement d'accord, hein, tous les deux, hein, entièrement d'accord. Bah, écoutez, c'était très intéressant. Ben, je vous remercie de cette invitation. Je suis très touché par l'invitation que vous nous avez faite à Yann et moi. Je tiens à vous remercier vivement pour nous avoir donc accepté notre invitation. C'était un plaisir, chers collègues. Et pour nous avoir tellement appris au cours de ce webinaire, nous remercions aussi encore une fois les laboratoires Bautu pour leur contribution dans ce processus de formation médicale continue. Et je vous dis à bientôt, chers collègues et chers amis. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est terminé? Non, Yann, tu n'as pas de questions? Bah. Malheureusement, il n'y a pas de questions pour M. Kazma. Ah ben, dis-moi, j'ai une question pour toi dans la classification de Sénaroglu. Tu m'entends? Oui. Dis-moi, Yann, quand les cochlées sont petites dans le type 1, quand les cochlées sont petites, la cochlée est petite et il n'y a pas de modulus. Dans le type, le dernier type, il y a une cochlée petite et il y a un modulus. Mais dans le type du milieu, pourquoi il a fait un type du milieu? Tu sais, quand la cochlée est petite. Oui, je ne sais pas. Moi, je trouve toujours que… Parce que là, je ne comprends pas. Il y a une petite cochlée sans modulus et une petite cochlée avec modulus. Mais pourquoi il a mis le type intermédiaire? C'est quoi le type intermédiaire? Je ne sais pas. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il a trouvé un groupe qui est différent, hein, qui est petit, qui n'a pas de modulus et qui a quand même une cochlée qui est très petite. Et donc, il a voulu mettre ça dans un autre groupe parce que pour lui, les résultats de ce groupe sont différents quand ils sortent après les implants. Et pourquoi? Moi, je trouve plutôt que ce n'est pas bien parce que presque tout le monde se demande c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment dans la bonne? Je n'ai toujours pas compris, je suis obligé de te demander. Voilà. C'est pas logique. De point non, de vue anatomique, ce n'est pas logique, mais pour lui, c'est important parce que lui, il dit que les résultats après implant est différent. Je lui ai dit aussi hein, que je trouve très difficile et que ça, pour la plupart des radiologues et les cliniciens, c'est plutôt troublant et ils ne savent plus quoi faire. Oui, oui ok. Oui. En tout cas, entre le petit cochlée sans modulus et la petite cochlée avec modulus, là déjà, ça, on s'en sort. Oui, 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 voilà. C'est okay. Ça surtout qu'il a voulu faire aussi avec l'hypoplasie. Hein. Et quand c'est plus grand, il n'y a pas de modulus, c'est un IP1. Hein. Donc là, il est dans l'autre groupe. Et j'ai une question aussi pour toi sur les black blood. Tu fais flair et black blood? Non, c'est fini. Chez nous, depuis… Tu fais plus que black blood. Pendant un an, on a mis tous les séquences l'un à côté de l'autre et puis on a vu que le black blot est meilleur que tout le reste. Et donc, aujourd'hui, depuis 2 ans, on ne fait plus de T1. Donc, tous les rochers chez nous, c'est de… Oui. Tu fais le black blot, mais la flair, tu la fais quand même. Non, je ne fais plus. Pourquoi? Ah, tu fais le black blot tout seul. Ah oui, la sensibilité des deux séquences pour trouver une prise de contraste est égale. Mais en plus, avec le black blot, on n'a pas la susceptibilité du inversion recovery. Donc, les images sont beaucoup plus nettes. On a une résolution qui est plus haute et on peut distinguer les rampes. Et donc, pour moi, c'est une séquence qui est fabuleuse. Et on voit aussi… Oui? Tu fais la différence entre labyrinthite ischémique et labyrinthite virale? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, je pense que là, c'est pas déjà possible, pas avec les autres séquences non plus. Hein. Tu peux le faire? Non, oui, moi, je trouve que c'est compliqué pour le moment. Hein. C'est difficile. Et là, le black blot, je ne pense pas que ça aide. Mais pour tout le reste, c'est le performant. Et en plus, ce qui est aussi important là pour les implants et pour les infections, c'est qu'avec le black blot, on voit les méningites. Hein, ce qui n'est pas possible avec toutes les autres séquences. On peut dire s'il y a une méningite, oui ou non. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Hein. OK. Parce que
Mais finalement, le gadolinium, alors, qu'est-ce que tu en fais? Tu le... Ah oui, on injecte encore, hein, parce que le Tu black injectes blood, c'est avec encore? le gado. La possibilité est là, hein, comme on voit une prise de contraste qui est si forte, la possibilité est là de diminuer la dose à la La dose, moitié. oui, parce que c'est plus sensible. Oui, mais là, on veut pas perdre l'avantage de nouveau qu'on voit maintenant en prise de contraste, qu'on ne voit pas sur la séquence. Donc, c'est chercher encore. Donc, on ne sait pas jusqu'à quel niveau on peut diminuer le gado sans perdre d'information. Oui, ok. Oui, parce que toi, tu oui, je comprends, oui. D'accord. C'est En tout clair, cas, c'est clair. félicitations, Yann. Merci encore une fois pour nous avoir donc honoré par votre présence et espérons donc vous voir parmi nous prochainement en présentiel. Avec Je vous plaisir. dis donc, au revoir et à la prochaine. À la À la chers prochaine. collègues. Merci. Salut Yann, au Merci. revoir. Au Au revoir, revoir. Francis. Au revoir. Au revoir. Merci pour Au revoir. l'invitation. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.